Ça vaut quoi la sécurité? Ça va, ça va. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je vais vous demander de lever les mains et je vais vous citer une petite balle passée si ça vous dérange pas. Allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Déclarer sur vous qui pourrait baisser quelqu'un qui pourrait se trancher ou je sais. Mais c'est un nouveau PC, enfin c'est mon ancien PC là, c'est normal, je bug. Pour dépanner, sinon je liveais pas. Bonsoir, messieurs. On a pu avancer. Merci, CG. Ouais, je suis pareil, pareil, je suis avec lui. Regarde, on va s'en fouiller. Ah, Mélo, viens, viens. Ouais, je suis. Connais toujours. Il est où ton artiste là? Il arrive là, il arrive, c'est pour ça. Je vais te donner un petit bac, s'il te plaît, tu vas récupérer à l'entrée. Merci beaucoup. Voici Queen Ava en direct. Non, Ava. Ava, dès maintenant. Elle va nous interpréter son titre Shoot à pistolet que vous connaissez forcément. J'ai un petit tip. Et son dernier son qui est sorti récemment, This Bitch, que YouTube n'apprécie guère. C'est par où, c'est par où? On est ensemble. Madame, c'est par où? Ouais, j'ai compris. On arrive dans quelques instants. Moi, j'y suis pas. Ok. Ouais. Il va falloir qu'on gère ça à tout. Vas-y, vas-y, arrête. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première. On fera mieux la prochaine fois, évidemment. Mais... Oui, je vois pas la scène, moi. C'est où? C'est sur le tech, en vrai. Ouais, 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 ouais. Je crois que c'est à ce moment-là que je dois mettre un bruitage du corbeau, si je dis pas de bêtises. Vois-toi? Votre spécialité, comme vous savez, votre maîtrise. Ouais, regarde pas l'eau, les gens, je suis pas fou, non? Bref, les amis, Aval arrive tout de suite. Ça y est, je la vois. Elle va pouvoir me rejoindre dès maintenant. Sur scène, s'il vous plaît, voici Queen. Ouais. Ah, pardon. Je sais pas, elle m'entend pas ou quoi? Là, elle est sur scène là. Je sais pas, on dirait. Hein. Ah, ouais, mais là, c'est mort, moi. Waouh. Épice, mon frère, je viens de te dire. Ah, vas-y, j'ai pas entendu. On a tous du mal, ça, Wedge. Mais moi, j'ai pissé. Eh, hey, c'est Vej. Oublie pas de bien, hein. Quoi? De 5. Sinon, je vais te réveiller loin. De 5. Eh, vas-y, Zizi. Tu fais... Eh, hey, Guapo, explique-lui comment l'insertion tactique. Il va se réveiller à l'autre bout du monde. PC, qu'est-ce que... Eh les gars, il me faut... Eh les gars, dans le chat, il y a un mec sur Paname, il connaît les ordi à la mort, il peut venir au local, je donne l'adresse instant, viens direct, tu me règles tout. Parce que même, c'est pas normal que le PC à Nabil, il soit comme ça, lent et tout, c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'en ai besoin même tout le temps, putain. Je suis streamer, j'ai rien de ça. Le Uber, j'arrive. Mais gros, les gars, là, moi, je vais arrêter de. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai ramené des viewers, c'est pour ça que j'ai plus jamais fait d'annonce. Le mec, il vient, il s'y connaît à moitié. Celui qui fait ça, il vient, je vais le baiser à la fin. Donc, si tu viens, tu connais, le connais, frère. Parce que c'est abusé. Voilà, les gars, il y avait un mec, il est venu. Il y en a eu 3 différents. Il vient, il connaît pas. C'est une dinguerie, frère. Ça veut dire, gros, si vous connaissez vraiment, c'est votre taf et tout, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Twitter ou Insta. Payer, oui. Il règle tout, je paye, oui. Ok. Ok. Oui, ça va. Tous les autres. Y'a que nous deux. Oui, peace, peace. Un. Ouais. Ava, mais vous êtes tout seul. Formidable, bravo. Comme on dit dans le public, c'était Queen Ava, Shoota, Pistola. Ah ouais, c'est quoi ça? Allez, on se le refait vite fait pour vos oreilles. Pourquoi il m'en fait du chat?
Qui ça, c'est Debbie? Qui? Quidava, merci. Debbie, gagne la DVS, gagne la DVS. Puisque il y a son son qui est sorti dans l'eau. Récemment, les amis, vous voulez peut-être déjà streamer sur toutes les plateformes. Eh bien écoutez, elle va vous l'interpréter en direct et en exclusivité au Pacific Bluff. Voici 10. Je suis BG, les gars, wesh. Ah, c'est la musique tordue. Kill. Ouais, elle me frotte là. C'est bon? Ouais, je vais me raconter. Tu me remets, je vais me raconter. Ça va, madame? Ça va? Vas-y, on se fait après, tu vas me dire. J'ai pas entendu. Ouais, tu vas faire quoi? Moi je me suis moqué un peu de toi, mais c'est bizarre de te voir avec. D'habitude t'as des débardeurs et des t-shirts et des pulls noirs. Là t'es toute claire. Bah, c'est le thème. Oh oui, non mais c'est bien, bravo, t'as fait un effort. T'as bu? Bah non, pourquoi? Pas encore. T'es alcoolisé. Vas-y, parle-moi non, quand t'es pas sous alcool. Mais je suis pas sous alcool, il est malade. Papa! Mais quel père indigne! Hey, hey, regarde, ça c'est ta fille ça. Dans 10 ans elle sera pareil qu'elle. Écoute, pas déjà non. Hein? Hey, respecte ta sœur, d'accord, ok. Je la respecte. Attends, je vais manger. Attends. Allô? Ouais, dis-moi, tu veux ta livraison dans une ou pas? Ouais. Ouais, et là, tu seras dispo si on te l'emmène? Dans 30-40 minutes, c'est bon? Parce que là, je suis un concert. T'entends pas la musique? Non. Ouais, on fait ça après? Juste après, dans 30 minutes, après ton concert. Vas-y. Ouais, et si tu vois ma femme là-bas, tu me le dis. Je vois qui? Non, rien. Il a dit quoi? Eh ouais, la Queen à l'instant. C'était Queen Ava, s'il vous plaît. À streamer dès maintenant sur toutes les plateformes, 10 bits qui est sorti il y a quelques jours, si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, on va accueillir Thaïs. Thaïs, elle a une réponse en plus à donner à Queen Ava. Thaïs, je t'invite à monter sur scène. T'as dit que t'avais quelque chose à dire à Queen. À la Queen. Eh ben écoute, viens nous interpréter la reine des dramas, qui est une exclue, si je ne dis pas de bêtises. Allez, attention, en direct pour vous au Pacifique, voici Thaïs, la reine des dramas. T'as fait un son sur moi, mais t'as bien oublié. Ma chérie, rappelle-toi, tu m'as bien supplié. T'étais plein de désespoir, mais moi je t'ai épaulé. Tous tes contacts, c'est moi, même ton mec, et tu le sais. Je suis la queen, mais au Brésil, t'étais pas comme ça. Tu traînais, je suis quasiment sûr que tu te lavais pas. En un son, je vais te laver, chérie, t'inquiète pas. En un son, je vais te laver, chérie, t'inquiète pas. Sans ta musique de pétasse, tu serais rien. Écris tes textes, t'as fait un sou sur moi. Tu fais la piquée parce que sans lui, t'as rien. Cousine, je le sais, et je suis pas la seule. Hey, je vais la signer. Je vais éteindre Queen Ava, cette pute, elle veut pas signer chez voilà, nous. Voilà les bords. Ta future fille, papa. Oh, laisse-moi profiter, putain de merde. Ah, en plus, pourquoi elle est noire, ta fille? Pourquoi elle est noire? Ah ouais? Mais t'as plus rien! Ouais. Et tu sais sur moi! Mon dieu!
Putain. Oh là là, c'est tellement dernier artiste, ensuite on envoie les concours. Dernier artiste, je rappelle. Ouais, dernier artiste, il va tout baiser. Ouais. Benny Bishop, trafiquant de drogue. Quoi? Ouais, par contre, j'ai un son à faire passer après. Ouais. Quel son? Je vais passer au DJ. Un son à faire passer. Son qui? Alors, t'inquiète, surprise. Et ben voilà, c'était la réponse de Thaïs à la Queen, reine des dramas à l'instant. C'était nul, chérie. Merci, Thaïs. Ah, t'as trouvé ? Les amis, ouais, en raison de notre planning un peu retard, voilà, il est déjà 23h48. Je suis désolé, Thaïs, comme Tiger et Savage qui vont arriver juste après. On va pas pouvoir faire passer deux de vos sons. Il y en aura que un. Mais en tout cas, merci Thaïs d'avoir été avec nous. Thaïs, un autographe, s'il vous plaît, un autographe. Qui va nous interpréter. Bravo Thaïs, c'était super. Il y en a eu trois. Jamais deux. Il veut croire l'ancien. Mais qu'est-ce qu'il veut, Savage? Si tu veux venir. C'est maintenant. Arrête, c'est mon artiste, c'est mon artiste là, viens. Mais bien. Vous pourrez le mettre juste après. Ok, DJ. Mais non, il y avait l'ancien sur la scène. Il est vraiment fou, mon père. Je suis artiste, moi, je vais pas sur la scène. S'il te plaît, je veux trop te voir sur la scène. Ouais, Savage, il est où? Ouais. Pas du bruit, les gars. Eh, Emilio, regarde, ça fait de la musique. Savage. Savage. Savage, je suis trop fan, les gars. Il est où? Il est où? Savage. On va du coup accueillir Savage. C'est vraiment un artiste, hein. il se fait attendre. S'il est pas là. Savage. Il arrive. Frère, on va faire passer qu'un refrain, les gars. De son, on a pas le son en entier. Ah, frérot, tu vas passer tout le son. Bah, écoute, il faut même 2-3 sons, même. Il y a Savage qui a attendu le son. Savage, les gars. Eh, DJ, tu peux mettre le son en attendant, s'il te plaît. On a envie de s'ambiancer. Oh là, l'ancien dealer. Ouais, je t'ai passé sur la loge. J'étais dans les loges. On m'a donné un. Il était dans les loges. Il était dans les loges, chef. Mais écoute, on va le mettre. 2-3 sons lui, hein. Respectez-le, hein. Chef. Michel Cooper. Il est là, les gars. Ouais. Chef. 2-3 sons nucléaires. On va mettre. Allez, ok, ok. Attends, c'est pas toi. Attends, Cooper. Quoi? Ah, faites du bruit, les gars. Mais non. C'est quoi ça? Il a dit quoi, mon fils creepy? Mon vrai père! Le vrai daron, hein! Oui, c'est moi, Michel Cooperfield! Fais de la funk! C'est toi, 3 millions sur ma tête, une grande artiste! Ah, le malaise! Respect, fils de pute! Ma mère parle bien! Ma mère, c'est une grosse ambiance, les gars! Dansez! C'est un vrai sur ça, les gars! Mais vas-y, on va la bombe! Mais dis-moi Michel, c'est quoi cette alliance? Mais dis-moi Michel, c'est quoi cette alliance? Michel, Michel, les bannis du Nord sont toujours en pleurs. Les bannis. Quand elle démarre, j'entends son moteur. Ouais, ouais. Quand elle tousse, elle dit menteur, menteur. Mais dis-moi Michel, c'est quoi cette alliance? Et son de la méthode qui leur dit fuck d'avance. Ouais, c'est bon, c'est bon. Michel, je parle au DJ, mais je vais te tuer quoi, le dernier? C'est bon, le dernier, non? Il va mettre le dès que c'est fini. Blanco, ok, balance toi. J'ai croisé Guevara à la frontière. Il était gardé par 4 millions de militaires. Où les gars ont le prince légal. On l'aura un jour, cette petite retraite. Le Barrio de Reyes, c'est un club de rencontre. Il y a 10 millions de rencontres. On ne fait pas faute que de drogue et de MST, direction la mort. Michel, petite dernière pour les douaniers. Vous chopez plus de calme que vous en brûlez. À vous faire passer pour Che Guevara, vous finirez pendu sous mon toit. Michel Cooper. Thank you.
c'est vraiment incroyable. Et bon, on peut dire que c'était intéressant. J'ai pas mis celle, je meurs sous les j'ai 40 ans. Et on a, et on peut dire que le public a l'air d'être réceptif à cette chanson, n'est-ce pas? Et où ton artiste? Il arrive, regarde, ça aussi. Tu vas voir, c'est quoi de la musique? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, ça y est, il est là. On peut dire qu'il est sauvage. Et je parle pas du parfum. Et je parle bien de Savage. Voici, en premier, je vais te tuer. 3. Pas le 1, pas le 2, mais bien le 3. Bao, bao. Ah ouais, à l'aise. Celui qui lance pas, les gars, vous savez déjà. Quand t'es en galère, on dit que t'es en people. Quand tu fais comme une pute, t'es en zeta, c'est normal. Ok. Chargeur plein pour cette pétasse. S-A-V-A-G-E. Je débarque, c'est le feu. Même le hater dira que c'est pas dégueu. T'es mort d'après l'état des lieux. Tu peux missionner BGF. Tu peux missionner MCC. On va juste sortir de voiture. Les traquer puis les faire sucer. Dis-leur bien qu'à Norwatt, les petits problèmes en font des grands. T'es par de même qu'on centrale si en font des grands. C'est trop la honte. Je suis avec Creepy dans la caisse ennemie publique numéro uno. Numéro uno. On a fait de la cuisine de pétasse à El Bourreau. À El Bourreau. Quoi le pot de la dit. Bitch dans le play. Sur la pastos, le blast du traître, ABZ del Perro, connaissent que les chais. Trop chaud, c'est le dernier mec, il m'a manqué de respect, je crois bien que c'est béné. Il s'est fait fumer à Watts, mon problème, faut pas se mêler. Sa famille l'a pas enterré, et j'en suis pas béné. Dans la street, j'ai pas de père, mon broly, c'est mon aîné. Savage from the Watts, the Watts. The Watts, hein. Les racks, les racks. Savage from the Watts, il est trop fort, il s'amuse. On empile les racks, les racks. Il a signé pour 15k qu'on lui a raquette direct. Je vous présente Divine. Il fait le voyou dans ses textes. Mais c'est un petit schlag. N2PVR, c'est l'Irak. Nous baiser pour vous, c'est un mirage. Tu t'es trompé de camp, mauvais tirage. Je te passe un chiffon pour le tirage. Il a tout balance au people. Puis a présenté notre maître au people. Puis a mangé trois tartes devant les people. Là, on peut dire qu'il est vraiment people. À chaque son que je sors, y'a un morceau, une prophétie. Je fais trop le malin parce que le shoot. Le dernier mec il m'a manqué de respect, je crois bien que c'est béné. Il s'est fait fumer à Watts, nos problèmes faut pas se mêler. Sa famille l'a pas enterré, et j'en suis pas béné. Dans la street j'ai pas de père, mon broly c'est mon aîné. Savage from the Watts, on empile les racks, les racks. Savage from the Watts, the Watts. On empile les racks. Les racks. Il est beau, il est beau, il est beau. On da watch. Mercenaire, mais mercenaire. WADTS sur les 7, c'était le mec. Allez, sans transition, voici ça. Oui, je le mets, putain, dans son merde. Les opposants. Qui, aux hommes qu'on a roulé comme Maki. Mais moi si même pour la presse, on coupe la tête comme Yagi. Hey, Savage le plus ma boule. S6 ou J-Wagoon. J-K dans la doudoune. J'ai pas flop comme Dagoon. Quelques tatouages sur ma face. Sur mon cou, mon poignet du ice. 9000 et le prochain qu'on catch. Un marque au fer rouge sur la fesse. Un king, un bien glaive de merde. Le monde est un gramme. Comme la frontière sans nous péter un gramme. Oh god. C'est Savage qu'il déteste, des beats qu'il décesse. J'ai un Smith et West, une beat épaisse pour qu'ils évitent des tests. J'ai donné ma vie à
watt. Savage a peu d'attache, sourire devant la classe. Le corps rempli de ice, j'ai tué un de ses faces en god. Sur le set, sur les potes morts. Un de ses faces en god. Sur le set, sur les potes morts. Sur les terres en mise. Fais pas la quiche, t'as, tu veux plus voir le sang couler. La balle va se loger dans ta tête comme une enroulée. Ça brûle, une pluie de balles, on va les mouiller. Ramène 150k, mange une rafale, je crois qu'on t'a couillé. NWR, NWR. Hey, hey. Si on sort le fer, c'est pour leur faire la guerre. NWR, NWR. On fait tout pour la maille, comme des mercenaires. On voit en tout cas que sa fanbase est bien présente. Alors en parlant de fanbase, je suis pas sûr que ce qui va arriver va plaire à Savage ou à sa team. Mais en tout cas, j'attends la personne qui m'a envoyé ce son, qui vont répondre à Savage. Oui, Savage, quelqu'un va te clasher. Ça arrive en direct. Alors peut-être que la personne ne va pas venir en direct. Je sais pas comment ça se passe. Ah, ça va lui peser sa mère, il est où? Bon bah écoutez, je serai pas tenu pour responsable en tout cas. C'est lui, je suis le cousin de Béni. Arrête tes pompes, fils de pute. Écoutez la réponse, écoutez lui, les gars. Mon grand pantalon là, sale con. De la Buffalo noir au Brésil. Vas-y, il est nul, moi je me casse. Quel Brésil, cousin? Fuck les watts, fuck. Va trouver le dialogue, ça fait au charme. Mais je vais trop le piétiner, lui, c'est qui les gars? Ah, on va trop le piétiner, la vie, je le connais pas. Cousin Béné, cousin Béné. Ah, Béné qui est mort là, frère, on a tué. Pas besoin d'écouter, juste qu'ils écoutent. Arrête ça, arrête ça, arrête ça, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. On a tué. Bon, bah, je crois que le message est passé. C'est nul. Plus ou moins dans bonnes conditions. C'est nul. Et j'ai envie de tourner à se calmer, à redevenir comme de bons publics à applaudir. Tiger qui arrive. Messieurs, dames, on reprend le calme, il y a d'autres artistes qui vont arriver. Une bagarre, vous êtes jamais dedans. Arrêtez de chanter, c'est pas pour toi. Ça va aller, messieurs. Allez, Tiger, t'as attendu sur scène. Ne mets pas en tant que la queen, c'est pas très nickel. On se calme, s'il vous plaît, là. Allez, merci en tout cas à Savage et Benedito. Je crois qu'on en a pas fini d'entendre parler. Hein, merci, monsieur. Il y en a même un qui risque de pas finir en vie ce soir. Hein, quoi? Bon, en tout cas, voici Tiger. C'est une exclue pour vous au Pacifique. Voici dans les bails. Arrête de bouger, okay. Le présentateur.
Ah, il est lourd. Vas-y, fâche, on t'écoute. C'est qui lui? Laisse le son, mais ça met dans l'ambiance. Ouais. Pull up ta caisse, monnaie négro, j'encaisse. Tu finis d'être ta cote d'une donneuse de goût qui aura donné ton adresse. La vie est blanche quand j'adresse. J'envoie des big glaces, c'est grossesse. J'prends du poids, la monnaie m'engraisse. J'encaisse, mais la concurrence en baisse. Donc j'peux pas m'arrêter là, tu connais. Ça critique, mais ils sont abonnés. Même ton Bouma, rien me connaît. C'est ta guerre au micro, enfoiré. Bouclette que des patates forains. Je vais réussir, je suis trop cramé, négro, je peux pas foirer. Je suis dans l'audi en mode savoir de toute la nuit. L'équipe aime l'écrase et nous les démons de minuit. Je suis dans l'audi en mode savoir de toute la nuit. L'équipe aime l'écrase et nous les démons de minuit. Je suis dans les bails. Hey. Méchant, méchant, tout est sale. Je suis dans les bails. Méchant, méchant, tout est sale. Tout est sale, pas de salam, pas de salut. Tous mes négros viennent de lieux qui sont très salubres. T'es tout poil, devant le gun, tu t'agites. Je te shoot et je remplis ton corps de coke et de shit. Je débiche, t'es limite sec. Je te bute après, je suis le beat sec. Bat ta vie, ici c'est Willy, Willy, donc ma gueule, vas-y check. Aujourd'hui l'Empire contre-attaque, 4-4-2 offensive pour l'attaque. Je suis dans les jazz, dans les gros parcs, tout ce qui fait vroom vroom et qui rate. Double bang, go trop dans ta tête. Éloignez-moi, ces vendeurs de test. Ils me détestent, ils veulent me test. Faut zéro vente et parle de star. Malgré non, je suis pas la star. Je crois du BNF, t'as tout en boîte. Ta meuf, c'est ma pute, j'ai les outils dont je la déboîte. Je suis dans l'audi en mode savoir de toute la nuit. L'équipe aimée écrase nous les démons de minuit. Je suis dans l'audi en mode savoir de toute la nuit. L'équipe aimée écrase nous les démons de minuit. Je suis dans les bails. Méchant, méchant, tout est sale. Je suis dans les bails. Méchant, méchant, tout est sale. Incroyable, incroyable. C'est Tiger à l'instant. Merci Tiger dans les bails. Sorti prochainement sur toutes les plateformes de streaming. C'était donc le dernier artiste de la soirée de ce showcase exclusif. Merci à vous les artistes. Merci d'être arrivés à l'heure. Désolé, j'ai menti, c'était pas merci quoi. Bref, les amis, ça y est, c'est l'heure de passer au concours de boxe. 50 000 $ à gagner. La liste des combattants, KS, pardon, Kyle, El Lobo, Léon Simmons, H, Christian Morgan, Stanislas, Draed, Molem, Jamal, James River. Les amis, ça se passe dès maintenant au niveau de la salle de boxe. On va vous montrer. De toute façon, vous allez suivre le mouvement de foule et vous allez comprendre où ça se passe. Ça arrive tout de suite, en direct. Toko, tu vas participer, toi, Toko. Ouais, mais j'ai dit, je suis à un concert et tout, là. T'as dit une demi-heure, ça fait une demi-heure. Ouais, mais vous êtes à 30 minutes près, mon frère, direct pile. Nous, on a des créneaux pour les vols. Vas-y, attends, j'essaie de me libérer au max. Dans 5 minutes, on a fini. Parce que là, on est sur place. Vas-y, dans 5 minutes, on a fini. De toute façon, c'est fini le concert. Vas-y. Excusez-moi, je cherche Thaïs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, suivez-moi pour la salle de sport. Venez, c'est par ici. Viens. Ouverture de la salle de sport. Écoute, c'est ton jour de chance. Moi, je suis qu'un messager. On m'a mis au courant de t'informer que le label Norwatts a aimé ta musique et gère exactement un profil comme vous. On voudrait s'entretenir avec vous, est-ce que c'est possible? Bah, je suis déjà partie du Sex Money Record, moi, mais... Mais on est prêt à racheter votre contrat, y a pas de problème. Ouais, on peut en parler, ouais. Elle est signée où, Ava? Je sais plus, chez les Crimson, je crois. Voilà. Crimson? Ouais. Ah ouais? Mais écoute, envoie-moi ton numéro et je te contacte, on voit après. 36 457. Mais vas-y, dommage, je passe en dernier, avec des fois à mon prix là.
Sexy Money Record, wesh, le blaze, il me pression. C'est bon ? Parfait, vas-y, je te rappelle. Vas-y. Mais je crois pas qu'elle est signée chez Perp, hein. J'y crois pas trop, moi. C'est bon, on peut aller à la salle de boxe hein. Ah ouais. Transac en avion, non. Oh là là. Michel Copperfield. Ouh, Michel Copperfield. Vous avez entendu cette musique? Ouais, j'ai écouté. Bah oui. Eh, ça va, pas mal, hein. Bon, l'argent arrive et nos véhicules aussi. Oui, je charge déjà là. Dans le champ. T'as combien sur moi? T'as combien sur toi? Bah là, en gros, dans chaque avion, il y a 175. Bah, tu sais quoi, on va prendre sur nous en attendant les trucs déjà. Ouais, déjà, ouais, on prend le max. Justement, je vais décharger l'avion, c'est compliqué de décharger. Ah, ok, vas-y, donne à nous, pose dans la voiture. Mets dans la voiture et donne-nous. Mettez pas par terre, donnez-nous. Ouais, direct. Mettez pas par terre, s'il vous plaît, les frères. Vas-y. Allez, attends, je te donne ça. Tu m'en as donné ? Tiens, il y en a dans le coffre. T'en as ? C'est de la pure, ça ? Je t'en donne. Chef, t'en as sur toi ? Attends, non, mais mets dans la voiture, comme ça je prends direct. Y'a plus de place. Remets, j'ai pris. Moi, je suis au max. Elle est pleine ? Non, moi, j'ai de la place, venez. Là, il y a de la place. Viens, bah, finis si t'as de la place. Viens, si, rentre. Qui a de la place ? 400 kilos là, récupérer Todd. T'as de la place, toi ? Sûr que 1, 2 ça va suffire. Ouais, 200 dans chaque avion. T'as de la place? Ouais, j'ai de la place moi. Plus les autres qui n'ont sur eux, non? 400 quand même. Hein. Non, même pas une dizaine. On va chercher une voiture, on revient? On fait ça, c'est bon? Coupe le moteur à gauche. On va chercher une voiture, on revient de suite. Attends, vous pouvez encore vous charger là, si vous pouvez. Ouais, c'est comment vous arrivez? Il y en a qui ont de la place là? Non, moi normalement oui, mais je crois que Volclair il a pas réussi. Ouais, et les autres? Moi 10 pour voir. Vas-y. Bah justement, au pire des cas, prenez un speed en plus. Ouais. C'était la prochaine fois, faut que je vienne avec un cargo Bob qui vous parachute les speeds ou quoi? Non, c'est juste qu'en fait c'est au mauvais moment, tu vois pas comment, puisqu'on est habillé et tout ça. Bah t'es habillé comme d'hab. Ouais, non, je suis en blanc. Hop, je vais changer mon petit bas. Me regarde pas, Ria, s'il te plaît. Ah, t'inquiète. Et toi, tu peux plus. Ouais. C'est bon ? Bah, vas-y, on revient tout de suite. Enfin, l'aller-retour, on est à côté. Sors ton truc, ML. Sur le garage en vif, répare le camion et je suis là. Le camion ? Si je dis ok, vous descendez, ok? C'est bon? Ouais, c'est bon. Je dis ok, t'as dit, vas-y. Je dis ok, vous descendez. Ok. Et vous braquez, hein, vous allez pas en arrière. Au cas où on se fait bloquer, je parle. Hein. Ouais, vas-y. T'as entendu Mélo? Bon, hein. Bon, quoi? Ferme ta gueule, hermano. Vas-y, blef, t'as un peu un claque. Michel Copperfield. Les gars, on va essayer de signer Thaïs. Et après, je vais l'envoyer. Que débiter Ava. Ah ouais, en plus, ils sont en clash, t'as vu de ma mère. C'est notre pote, ça? Non. Mais attends, parce que là, j'ai les points de camion. Elle est signée chez Sex Money Record. C'est à qui, ça? C'est le bourreau. Oh putain. Qui est signé là-bas? Ava? Thaïs. Ah. Sex Money Record. T'as capté? Aïe. Ils vont faire quoi les autres? Putain, ils vont voir qu'il y a des speedos. Ils sont venus déjà les autres ou pas? Ouais, apparemment ils sont déjà partis. Attends, tu veux pas qu'on décharge? Viens décharger. Ouais, on décharge et on repart en voiture, je crois. Hein.
crois bien que c'est Béné. Eh, que de la madretas, mon frère. En fait, il y a un mélange, là. Il en reste 3. Il en reste 3 ou pas? Eh, Salty, prends les 3 derniers, pose-les. Vas-y. Rondo, monte. C'est bon, j'ai pris Salty, c'est bon. Vas-y, bah monte, Salty. Vas-y, carré. Sors ton pétard. Vas-y, monte. Qui la meuf, je sais pas, hein. ils ont ça, je regardais, je crois il y a moyen, je ils sont en rendez-vous avec quelqu'un, on dirait. Ah non, je suis fou. Ce qui est la meuf, je suis bizarre, elle m'a envoyé un message. Ah, mais là, c'est qui la meuf, la meuf là à droite, ouais. La meuf, regarde. Ouais. C'est une meuf, ça? Non. C'est une meuf, ça? Ah non, c'est un mec, non, non, ah ouais. Ah ouais, les gars, en mode 1, changement ou quoi? Ah, j'ai cru que c'était une meuf, j'ai cru que ça avait recruté. Moi, je pensais que c'était une meuf, ouais, même moi. Mais ça se voit, il leur est arrivé une dinguerie, ils sont là, ils... C'est en mode débrief, je sais pas ce qu'ils ont. Y a pas un mot qui sort de leur bouche. Ouais, ça se voit, ça se voit. Problème, j'ai pas donné. Oh, ils ont des couilles, les gars. Ma mère, regarde, on est banni du nord, ils viennent de nous livrer au sud tous. En fait, c'était nous, on était fous. Ah ouais, mais relance-le pour savoir ce qu'il a dit avec. Avec Copperfield. Ah ouais, César. Ouais, bien vu. Par contre, la pose est plus sa grand-mère, c'est une dinguerie. Je suis revenu en avion aussi. Il n'y a pas d'autre sortie. À droite, il n'y a pas. Ouais, il n'y a que celle-là. Y a que non, celle-là. Non, il n'y a que celle-là. Ah, en fait, à droite, ils peuvent sortir, mais que à pied. Parce qu'il y a des escaliers au bout, mais tu peux pas sortir en voiture. Les autres sont déjà là? Je crois. Normalement, ouais. Attends-nous avant de démarrer. Attends-nous. Ah ouais, quoi? Logique. Eh, il en reste encore? Ouais, bien sûr. Ouais. Beaucoup. Il y a 400 kilos. Attends, j'appelle Aston. Il est... Là, les avions sont vides, les gars. Je peux me donner normalement, ouais. Normalement, ouais. Hey, Todd, du coup, okay. Pour ce que je t'ai dit hier au téléphone, c'est comment? Eh bien, bouge peu. J'attends, ils sont jusqu'à 1h du matin. Ok. Bref, j'ai fait 1h du matin pour... Ouais, les gars, je suis à Watt, je me fais... Si à 1h, j'ai rien, je t'appelle et c'est oui. C'est bon, j'ai plus. Ah, vas-y. Voilà, vas-y. On en a parlé avec les gars, ils sont 100% d'accord. J'ai encore un peu de place, Kenneth, viens. Vas-y, moi, j'ai totalement de la place, les gars. Ah bah regarde, tu peux me donner... Donne-moi... Une dizaine. Non, ça va aller... Tu t'y attendais pas, hein. Ouais, excuse-moi. Je donne quelque chose, moi. Ouais. T'habites... Pourquoi quand tu parles à Riyad directement, t'arrives? Ouais. Ah ouais, bizarre Kenneth, hein. Et d'ailleurs, Creepy. Ouais. Le pognon du disque de diamant, ça arrive quand, ça? Qu'est-ce qu'il y en a encore? Je peux prendre, moi. En fait, là, on est en procédure judiciaire. Ah ouais, c'est bon. On va bloquer le label. Avec la collaboration du Nord, donc on est en négociation, et puis on verra. Vu que là on a été banni du Nord, on va essayer de leur dire là de nous ouvrir et puis t'auras ta part, okay. Hein, Kenneth. Ok. C'est bon, y a plus rien. Non, c'est bon, ils mangent l'argent. C'est tout vide, ouais, ça manque à l'heure. Là. Le camion rouge, il va vous donner là, d'aller chercher. Ok, l'argent vous avez? Mets-le, il arrive. Le Renoir et le Mexicain voulaient te couiller l'argent. Ah bah. Je sais pas. Ah, mais c'est vous enculé, hein. Pourquoi hein. Tiens, mon frère. Merci. C'est bon, y'a plus rien. Pareil, si t'as une commande à repasser, tu peux repasser là. Vas-y. Bah, direct, hein, tu me fais, moi je suis chaud. Tu veux que quoi 400 encore? Ouais, vas-y. Demain? Vas-y, nickel. T'avais pris l'argent? Ouais, c'est bon, il m'a payé. Ok. Bah, vas-y. Ok. Bon, vas-y les gars. Let's go. Putain, deux avions, un hélico. Eh, on sort et ensuite on te dit viens, ok? Tu démarre pas pour l'instant. J'ai dit quoi? Démarre pas, sale fils de pute. Oui, je démarre pas.
Le problème, c'est pas peiné. Dans la rue, j'ai pas de grand. Le plus petit, c'est mon aîné. Ta gueule, toi, quoi. Démarre pas, on t'a dit, fils de pute. Bah, les couilles, bah, les couilles, démarre pas. Vas-y, tu veux démarrer ? Vas-y, viens, vas-y, monte, monte, monte. C'est bon. Non, alors, fais peur, on les bloque. Ils connaissent la voiture. C'est au courant. C'est au courant, vas-y, bloque-le. Où dès qu'il est là ? J'entends même pas. Ouais, Toko, t'as démarré ? Il arrive là. Ok. Tu as cru ou pas ? Il a respiré dans le téléphone. Il a respiré dans le téléphone. Frime, réponds pas, je vais te demander. Tu sais que c'est nous ou la bague elle est longue ? Tu as cru ? De quoi ? T'as cru que c'était une voiture qui allait bloquer ou pas ? Non, non. Dis la vérité, arrête. Au nom d'Allah, j'ai pas cru. C'est moi. Oh là là ! Wesh ! Tu veux direct comme ça ? Pourquoi direct comme ça ? Il est en craquage, les gars. C'est la risée du hier, le poster. J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Hein. Il est content du poster. Il s'en bat les couilles. Je vais lancer une nouvelle méta en bas les couilles. Je vais faire aussi. C'est quoi la méta ? Avec qui ? Avec Déby, bas les couilles. Ah ouais, mais t'as poster. Et sa mère la pute, celui qui le fait pas. Voilà, bas les couilles. Hein ? Oh là là. Je vais pas le faire, hein, frérot. Oui. Hein. Fais-le. J'ai pas de meuf, je fais quoi ? Je suis. Mais toi, attends. On parle de creepy, mais la lumière, toi, t'as commencé à le faire bien avant. On va le faire à deux. Délire de chicha quand il y avait Ghost Dog et tout, tu le faisais déjà. Faire quoi ? Les photos comme ça avec les meufs. Oui, mes photos, mais oui, mais moi je. C'est en mode check mes bitches, moi. C'est. Avec des bitches. On va te mettre en poster dans sa maison. T'as fait ton amoureuse. Mais le cul. Eh, descends, fils de pute. C'est des mecs de chez nous. Ah, c'est des mecs de chez nous ? Ouais. Ah, j'ai la haine. Vas-y. Vas-y, remonte, frère. Putain, j'ai cru que c'était les autres. Ah, les gars, y'a de la cam, hein, si vous voulez. Hein. Ouais, t'inquiète. Vas-y, on revient. Bouge pas, fils de pute. Suce le canon, suce, je te le mets dans la gorge là. Je le mets dans la gorge. Arrête, fils de pute. Arrête. Fils de pute, toi. Oh, quoi ? C'est comment, les gars ? C'est comment ? Fils de pute, oh là là. C'est bon, y'a rien, les gars, y'a rien. Baiser les niquez le pas, les gars. Oh là là. Ah, mais les gars, mais il est grave con. Ouais, alors ? Ouais, très bien, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, les informations vont vite. Ouais, mais ça va. Ah, c'est bien, vous êtes devenu en jean. Mais qui vous appelle pour m'aider ? Je sais pas. Ouais. Mais dites-moi juste le nom de la personne qui a essayé. Le fit, c'est 34 du coup, tu me dis, hein, si. Hein ? T'inquiète, vas-y, installe-toi, on va te ramener à manger si tu veux. Tu commanderas. Ok. Mayaki. Voilà, il va rester 1000. 1000. 200 1000. Oui, oui, crois. C'est ton assiette, King ? J'ai pas d'assiette, tu vas pas cracher dedans. J'ai pas d'assiette, j'ai pas encore d'assiette, va te faire. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec ? Ouais, sûrement, ouais. Ouais, ça va. Bon, allez, je vous laisse manger. Ouais, ouais, ouais. Oh, la petite famille. Daimon, on m'a dit ça. Félicitations, ouais, t'as dit quoi ? Félicitations, Daimon. Putain, je baisais, toi. Mais pour le concert de ce soir. Ah, c'est pas moi qui ai organisé tout, c'était Juan. Ah, ok. Ok, bah félicitations, Juan. Oh, monsieur Dom. Ah, merci, tu parlais du concert, c'est ça ? Ouais. Excusez-moi, monsieur. Monsieur ? Oui. On peut commander, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez ah, je vois pas les trucs, comment je fais ? Vas-y, ah ouais, ici c'est bon, les bonnes entrecôtes là. C'est on dit un poulet olive, ici, poulet olive. Ouais, il y a du poulet olive, incroyable. Quoi, c'est son nom, olive, comment ça se fait ? C'est bon, t'es content d'avoir une petite sœur du coup, Creepy ? Comment ça ? Okay, je m'en bats les couilles. Mais c'est toi, c'est ta fille. Arrête toi. Tout le temps. Dis la vérité. Mais arrête de me dire c'est ma fille. Au nom de Dieu, c'est pas ma fille. Non. Fils de pute. Non ? Comment ça, fils de pute ? Mais tu fais quoi ? Non, vas-y. C'est un nouveau PC du coup, mais truc, j'allais l'étrangler, frère.
Putain, mais tu l'as déjà baisé, dis la vérité, tu l'as déjà baisé. Non. Jure-le, vas-y, jure comme t'as juré. Je le jure que j'ai pas. Jure j'ai comme pas. T'as juré. Je te jure que je l'ai pas baisé. Ah, ok, c'était putain. Mais. Il a failli, hein. Y'a quoi, mon frère? Il me ramène à son resto pour. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous êtes très rapide. Eh bien, écoutez, je vais vous rappeler. Je vais passer un moment familial et je vais croiser ce gars. Ah, ça, c'est mon histoire, monsieur Copperfield. Croyez-moi, je vais le régler. Très rapidement. Ouais, écoutez, j'ai des ressources. Je vais faire en sorte, justement, que vous soyez... La même voiture? Non. Ouais, si je peux la faire comme ça, quand il y en a qui sont pas là... Quoi, c'est une compagnie, j'ai pas entendu. J'entends vraiment pas. Bon, je suis bourré, tranquille, y'a rien. Ouais, tranquille, oh. Tranquille. Tu manges quoi, Clippy? On va te bloquer longtemps. Je sais pas, mais moi, je sais pas, un steak frites, cousin, un truc veux simple. Tu veux du riz au bœuf, tu veux quoi? Du riz au bœuf, ouais. Ah, saignant. Ok, riz au bœuf, saignant. Vas-y, bah, installe-toi, je te ramène ça. Sauce poivre. Dis-moi, Clippy, ouais, viens, t'as un sale sauce sur le table avec moi, là. Viens. J'arrive, je te ramène ça. Allo, Kenneth. J'ai vu que tu m'appelais. Ouais, pour demain, c'est bon? Ouais, pour demain. Vas-y, mon ami. Par contre, au niveau des tarifs, la livraison dans le sud, ça va rajouter un surplus, tu comprends? Arrête. Bon, ça va mieux. On en rediscute demain. Vas-y, ouais, Kenneth, je te laisse. On en rediscute demain. Allez, vas-y. Ça marche. Il est venu récupérer les commandes, vous? J'avais arrêté. Vas-y, mon frère. Oui, il a posé sur la table. Non, je prends pas de dessert. Non, okay. Non. Ah, mais c'est quoi? C'est dans le menu, c'est dans le menu. Prends le dessert, ton gros crâne, là. Ah! De vrais enfants. Ah, aucune nouvelle de ton frère? Donc, si je... Non, visiblement. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je crie Max Doivre et je me qui pose sur la chaise. Hop là. Il délire totalement. Sony? De qui? Donc, un whisky pour la dame en rouge. On dit rien, je sais pas moi, j'en sais rien du tout. Allez, à son gars, regarde, il est là. Hé, hey, gars! Hey, t'es arrivé, mon fils? Okay. Pas du tout. Okay, tu sais pas où il traîne, où il est. Tiens ton plat, Clippy. J'essaie de l'appeler. Merci. Dis-lui que sa famille lui manque. Il m'a mis du riz comme au pays. Un truc comme ça. Dis ça, je lui dis ça, monsieur. Non, c'est ça, l'ami. Tu m'as mis quoi? Du poulet? C'est piquant, je suppose, hein? Attends, lève-toi parce que y a trop de monde là. Lève-toi vite fait, c'est petit. Ouais, allez, donne-moi ton poulet à ça. Ton mafé. Ok. Donc, un menu double cheese. Merci, mon frère. Mon frère. Supplément fromage. Arrête tes conneries, ok. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ah oui, c'est vrai que toi. Faites ça, on aurait dit un putain de redneck. On aurait une famille de raciste. Deux racistes. En plus, on m'invite et je paye. Non, c'est moi qui paye, c'est moi qui... Amène la facture ici, putain de merde. Ok. Bah, il viendra prendre la facture pour tout le monde. Ouais, très bien, tu prendras la facture à la fin. Et t'as dit quoi, du coup? Elle sera actuellement chassée, du coup, il va pas être disponible. Mais qu'il ramène les flics, ça fera un peu de visite, alors, à la limite. Tu lui dis de venir ici. Okay. Il peut pas rater un putain de moment familial. Putain de merde. Je vais vous préparer tout ça, et j'arrive. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est ça, le problème. C'est qu'il oublie l'essentiel. C'est quoi, l'essentiel? C'est la famille, putain de merde. C'est vrai, QLF, QLF. S'il y a les keufs, t'as qu'à leur tirer dessus, comme ça, ils te chassent toi, d'accord, ok? Famille avant tout, putain de merde. QLF, t'as dit? Non, toi, je vais te mettre des baffes, hein. Mais ce gars, d'accord. On m'a dit que t'as une petite sœur. Ouais, j'ai une petite sœur, mais bon... Elle est où, la petite sœur? Elle est là, là. Ça se voit, quand même. Elle est là, la petite sœur de Sony, ouais. Non, petit. C'est quoi ça? Gang shit. Non, mais c'est pas un chat, c'est un bébé. C'est pas rien, c'est bon. Ça mange des croquettes, ça, non? Vite fait, je pisse. Deux secondes. Quoi?
monde est ingrat. Non, pourquoi j'ai lancé ça? Ce PC, il m'a pas manqué, hein. Ok. Timmer super da pour le sub, merci mon frère. C'est quoi le PC? Je sais pas, mais c'est pas... Genre justement il est bien, c'est ça le truc. Je sais pas, mais je sais pas là quoi. Chargement, il est long comparé à avant, vous remarquez? Avant, 2 secondes, c'était bouclé. D'ailleurs, ah, son, t'es comme aujourd'hui? Wesh, mon frère. Dérangé. Pour le dos, là. Hein. Tu vas rien faire. Oui, il sort, c'est ça. Non, 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 du tout, tu peux les garder ou te les fourrer dans le cul. Dans le... Hey, il arrive ton frère. Hey, il a compris que la famille ça passait avant tout. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va attendre qu'il arrive. Oui, oui, c'est 30... Même un moment familial, tu me demandes ce qui se passe. Donc on fait gaffe juste à la serra. Ça doit être un événement pour toi. Mon père, mon frère. Eh, salut les gars. Quel honneur, ça fait plaisir. Eh, ça fait plaisir aussi. Ah, vous allez bien tout le monde? Eh, très bien. Salut toi, Sonny. Viens, viens, viens. Salut toi là-bas, il y a une petite place. Eh, je vais prendre un petit truc à boire, j'arrive. Ah, reste là, t'inquiète pas, il va arriver. On va te servir, on va te servir. Serveur! Serveur! Serveur, putain de merde! Oh, le bouffon, il a pas l'habitude des restaurants. Ouais, ouais. Il a trop mangé à la cantine, je crois. Ouais. Mais du coup, là, ça va la mettre où? À la boxe? Qu'est-ce que ça va en faire, là, de ça? Tout se passe bien pour vous? Ouais. Est-ce que vous pourrez poser, enfin, peut-être 3 bières, s'il vous plaît? Je sais que c'est un putain d'alcoolique, mon frère, il boit ça, hein, c'est que... Ah, oui, s'il vous plaît. Whisky. T'es sûr que tu n'es pas en train de convertir avec le whisky, Jerry, là? T'es pas en train de... Non, non, ça va. Elle a pété les plombs, whisky. Ah ouais, non, elle est enceinte. Ouais. Du coup, elle te ressemble un peu. Avec des cheveux. Désolé, monsieur Dame. Ah ouais? Les mêmes yeux bleus, personne. Ouais. Ah, du coup, c'est ok, ok. Donc, parce qu'elle m'avait pas dit ça, Emilien. S'il vous plaît. Non, on va expliquer à ton père. Bah regarde, je lui montre, hein, regarde, je te montre. Elle m'envoie un message. Ta sœur Yellow est née ce soir, tu ne pourras pas dire que je ne l'ai pas prévenu. Et là, je lui réponds. Et moi, elle m'envoie la photo. Et je t'envoie une photo. Et là, je lui dis, elle est noire. Elle me dit, oui, elle est noire. Ah oui, non, mais je lui envoie la photo de sa sœur. Il n'est pas capable de voir. Alors oui, je rentre dans ta connerie, je te dis, oui, elle est noire. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a appelé tout le monde pour le dire. J'ai reçu 25 appels de tout le monde du nord, du sud, en me félicitant que ma fille est noire. 25 25, ouais, t'abuses un peu quand même. Ah non, non, ouais, une vingtaine, ça c'est sûr. Non, j'abuse pas. Pour le coup, j'abuse vraiment pas. En même temps, c'est... Voilà quoi. C'est quelque chose, quoi. T'imagines, ta fille, elle est noire, papa? Bah, tu vois bien qu'elle est pas noire. T'as qu'à ouvrir les yeux. Bah oui, sur la table. Sur la photo, ça se voyait, hein. Après, tu peux continuer aussi la conversation de tout à l'heure aussi, je pense, que ton père aimerait la connaître. Il y a le décapsulateur aussi. Ouais, c'est gentil. Ouais. Pas... Écoute, si je vous ai appelé ici, c'est pas pour qu'on commence à épiloguer sur les conneries à droite et à gauche. Je veux... C'est simplement un moment familial, tout simplement, je veux rien d'autre.
Je veux juste que vous profitez un peu de votre sœur et que vous lui montrez un peu d'amour. C'est pas grand-chose. Hein. T'en es capable? Hein, Larden, l'amour pour ta sœur. Décapsulateur, non, c'est mieux, ça continue à vendre. Ou jouer au basket, tu m'as dit avec elle? Ou au foot aussi, tu m'as dit? Calme-toi, d'accord, ok, non, il va prendre soin d'elle. Il va prendre soin d'elle, d'accord, ok. Celle-là, elle nous fait la maman power, l'instinct... comment on appelle ça, l'instinct... Maternel, ouais. Maternel, exactement. Non, moi, j'ai tout simplement dit que ta fille, je voulais l'inscrire au foot. C'est tout. Non, c'est... Oh là là, oui, d'accord. Clark. Présente ta sœur. Yellow. Ouais. Bonsoir. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais, on a pas carburé, papa. Ouais. 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 Écoute, elle s'appelle Yellow. Elle est une pure nordiste. Elle voit ensemble comme deux gouttes d'eau. Ouais, je vois ça, moi. Elle me ressemble, elle me ressemble. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle a un petit peu de ton charme, Emily. C'est gentil, merci. Combina celui de papa, bien sûr. Et j'espère que je vous ai appelé les deux, c'est pour vous la protéger, la défendre. Parce que ça peut aller très vite. Et je veux que vous me fassiez jurer que vous allez prendre soin d'elle comme la prunelle de vos putains de yeux. Oui. Je peux la porter. Je te l'assure. Tu la laisses pas entre les mains de l'autre acteur à ta droite. Est-ce que je peux la porter, papa? Non, mais il va pas faire de compte. Elle est toute petite, d'accord, qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est ma petite sœur, je peux la porter. C'est sa sœur. Bah oui, je vais la porter. Ok, tu fais attention, ok. Et prenez-moi en photo, c'est possible, je vais mettre un post sur la fenêtre. Tu fais attention, ok. Je vois que ça marche. T'as déjà connu un gosse, toi? Ouais, tu lui expliques comment ça se... Quoi, tu m'as pas dit, papa? C'est dernier temps. C'est pour ça que j'étais très occupé. Ouais, ouais. Oh, bah, tu comprendras quand tu auras un gosse. Marié de ta vie, surtout ces derniers temps, mais bon. Ouais. On devait se voir à droite et à gauche, mais t'avais l'air de filer un peu trop. C'est compliqué de t'avoir. J'ai du mal. Là, quand je t'appelle, tu me dis que t'es en train de... Ouais, elle est toute petite, rends-moi là, ça ira mieux. Putain, dès que du Nord, je sais pas c'est qui des putains de bouseux qui sont venus jusqu'ici, ils me chassent depuis 30 minutes. Bah, ils prendront une pause de 30 minutes parce que là t'es en famille. Et prends-moi quand même en photo, c'est posé à Sony, tu me prends-moi en photo là, je. Avec ma petite sœur. En photo de ton frère, ouais. Il est mignon. Pas de dos, oh là là, Emily, encore les mêmes réflexes. C'est... Tu peux te tourner pour la photo s'il te plaît? Oui, oui, pardon, oui. Que tu sois sur la photo. Calme-toi, calme tes ardeurs, espèce d'enculé. Hein, calme tes ardeurs, Larden. Mais c'est juste. Enfin, bref. Pardon. Hey, Sony, tu veux que je te prends une photo de groupe, Sony? Je te prends. Oui, il faudrait que Sony soit là, oui, ce serait bien. Viens d'Agoun pour nous. Tu peux bouger de ma photo, s'il te plaît. Non, c'est pour l'esprit familial, l'esprit familial. C'est pour l'esprit familial, l'esprit QLF. Voilà, QLF. Attends, je peux prendre une photo quand même avec ma petite. Le bébé au milieu, le bébé au milieu. Il vient de la salle soit. Yellow. Oh là là. Yellow. Oui, c'est Yellow. Tu l'appelles Yellow. Papa, place-toi bien, ouais, voilà. Il t'a amené un bâtiment de chez moi, Yellow. Ça, c'est mes fils. Mes enfants. Yellow, Southwatch. Ça va, avec Sony. C'est bon. Voilà, parfait. Une autre avec moi. Il est mignon. Il est mignon. Personne t'a demandé de prendre des photos, toi. En direct avec Yellow. En direct avec Yellow. Ouais, en direct avec Yellow. Mais il est bien avec toi, je vais mettre un petit snap pour mes réseaux, s'il te plaît, ça te dérange pas. Vas-y, Dagoud, vas-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça se braque? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qui se passe? Restez là, rangez vos armes, D'accord, donc là il y a. Je reste avec Yellow. Ah là là! Là, Los Santos! C'est qui? Le serveur. Le serveur. Ah, vas-y, parfait. En même temps, il vient le décapulateur. Ah, ça se voit que c'était un voyou hein, qui essaie de se réinsérer. Mais la réalité la rattrape. Papa, t'as vu le sud? Ah, c'est la réalité, ça. Exactement. C'est la réalité qui la rattrape. Avec ma petite sœur, là. Compris, Léo, c'est comme ça, la vie. Ça se fait embarquer. Ça braque là-bas. Ça braque. C'est quoi, ça braque? Rien à la foutre, j'ai envie de finir, moi. Putain, whisky, qu'est-ce que tu me racontes? Tu es un moment en famille. Ça a braqué il y a 5-10 minutes, tranquille. Oh, t'es en train de te pisser dessus, quoi. Il y a Yellow, putain de merde. Mais c'est bon, Yellow, on l'a prouvé. Et rien qui va lui arriver, t'inquiète pas, on est là. Écoute, demain... Tu veux qu'il lui arrive, ça braque tous les jours. Je vais te faire un cadeau demain, Yellow.
Oui, on sait. De toute façon, il a une bulletproof, non, Yellow? C'est bon. Bah, c'est rien. Emily, vous avez gâché ce moment familial. Envoie-moi la photo. Vas-y, je t'envoie. Bande de merde. C'est ça leur problème, tu vois. Ils gâchent toujours les moments familiales. Ils n'arrivent pas à profiter des vraies choses de la vie. Ils ont pété d'autres. C'est vert, quoi. C'est bien, c'est beau. On est mort. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu, des gâteaux se sont fait attraper. La peinture. Non, pas du tout, pas c'est du très tout. Joli, j'aime beaucoup ce gris. Ah là 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 là. Elle est très très belle, hein, papa. Je suis content. Hein. Je pensais pas que tu pouvais carburer encore pour un enfant, mais. Ouais, oh, tu tiens la. Ouais, moi non plus, je vais pas te mentir. J'ai pris un truc qui s'appelait la Majestic Dick. C'est les seins qui m'a filé ce truc et. C'était incontrôlable. Allez, à droite, gauche, droite, gauche. Grosse clope à côté du bébé. Il n'est pas campé. Mais je suis bien content, je suis bien heureux. En tout cas, d'avoir au moins. J'aimerais bien lui faire visiter mon quartier. T'es où? Quand elle sera assez grande. Hein, hein, il passera à la soirée rouge, hein, Yellow? Demain. La soirée rouge 23h. Ah, il est en train de dire que. Attends, c'est quoi la soirée rouge? Il y a une soirée à Watts, monsieur Benichou. C'est Creepy qui organise. Ouais, c'est une soirée. C'est quoi, soirée rouge? Une orgie, c'est une sorte d'orgie, je sais pas. Un truc comme ça. Ah, une orgie? Vous voulez faire participer votre soeur à une orgie, c'est ça? Pas du tout, c'est une soirée pour signer, pour fêter avec mes collaborateurs, les millions de dollars qu'on fait rentrer ensemble entre Norwalk et eux. Quel collaborateur? Les personnes qui seront là demain. Mais Emily, t'es invitée avec le mioche. J'ai reçu l'invitation, ouais. Yellow. Avec le gosse, ouais. Mais papa, tu trouves pas que tu l'as fait un peu tard? Ouais, moi je la protège bien. Il y a le moindre souci, tu m'appelles. Et c'est pas ironique. Hey, tu crois réellement qu'il y a un temps à quelque chose, à faire des mômes ou des autres choses, hein? Réellement. J'aurais réfléchi comme ça, tu serais jamais là. Hein, c'est vrai. Par contre, putain, j'ai fait le buzz, papa. 30 gemmes. T'imagines? 30. Comment ça, 30? J'ai mis un poste et sur j'ai la 30 gemmes. Non, bah non. Qu'est-ce que... Après, je vais la mettre, ouais, j'espère, hein, mais moi, je pense pas. Qui, c'est Juan, là? Ouais, c'est vrai. Oh, ouais, elle est passée. On a mis Juan. Ouais, je t'ai coupé. Putain. Ouais, t'étais mieux avec... Ouais, sur la soirée que tu organises demain. Ouais, c'était compliqué. Je demande de l'entretien. Dagoon, tu peux faire rentrer ouais, s'il te plaît. Vas-y. Tu veux d'attendre derrière? Ouais, pas mal, ouais, ta petite soirée, là. Alors, ce que ça va donner. Et du coup, si on parlait un peu d'avenir, il y a un truc qu'il va falloir qu'on puisse débattre. Allez au fond, ils vont expliquer. J'étais en train de parler justement de mon testament. Vous savez, désolé, chérie, pour parler de ça, il faut quand même qu'on en parle. D'accord, un moment ou un autre. Et je veux justement que je mette à plat justement les petits millions que je cache au Panama. Et que s'il m'arrivait un truc, au moins, vous pourrez assurer pour vous, hein? Ouais, et du coup... Du coup... C'est un sujet qui m'intéresse. Ouais, tu veux juste voir ton père crever, toi, Clark? Ouais, c'est la seule chose que t'as. Pas du tout, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi parler de testament et pas raccrocher et partir loin de tout ça? Oh, on sait jamais, d'accord? J'ai pas envie que mes enfants manquent de quelque chose. J'ai raté déjà plus d'une vingtaine d'années avec eux. Je pense que je peux leur dois au moins ça. Ah, à Yellow et à mes deux enfants. Du coup, j'ai décidé que... L'Ardenne va prendre une plus grosse part que toi, Clark. Tu peux comprendre? Clark. Merci, écoute, papa. Clark. Merci, papa. C'est juste que... Mais il se passe quoi, voir la chaîne? C'est que... Sérieux, là? Je ne sais pas si je peux te faire confiance là de suite. J'ai l'impression que ouais, tu bon, c'est que le sud, et lui, tu peux le faire confiance, lui. Cet enculé qui t'a baisé. Ouais, il est con. Il est papa s'est fait kidnapper ce soir con, et moi mais... j'étais le premier à appeler tout le monde et essayer de me mettre au courant. Il a eu peur pour peut-être moi. Peut-être parce que papa ne m'appelle pas, ne m'appelle plus. Mais moi aussi, papa. Il a eu peur pour moi. Espèce d'ingrat de merde. Tu sais que je suis là pour toi, tu le sais. Alors il faudra rajouter moi dans ce testament. C'est ça, c'est toi qui le dis, là. Quand faut prendre un appareil et m'appeler au téléphone, je vois personne là. Quand faut mettre dans tes petits plans, dans tes petits manigances. Non, c'est pas le problème, Clark. Putain, merde, écoute-moi. Tu me dis qu'il aurait une plus grosse partie. C'est simplement que, au moins, je suis sûr que lui, il va faire en sorte de faire bon usage de cet argent. Toi, tu vas peut-être te foutre en l'air, j'en sais rien. Hein? Ouais, comme organiser une soirée comme celle de demain et tout claquer au quartier. Hein? C'est un bon usage, ça. C'est vrai que c'est lourd. Écoute, c'est pas...
Je veux juste que tu comprennes qu'il faut que tu sois proche de ta famille, ok? Ce testament peut changer demain, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Je suis désolé, Clark. Je peux pas tout changer du jour au lendemain. Je le comprends. Ok? Tu vas toucher une bonne part, t'inquiète pas, hein? Ça va aller. Allez, rassis-toi. Rassis-toi. En direct avec la famille Bishop, ça part en couille. Clark Bishop, il prend une... Par contre, s'il veut pas que je lui mette une balle dans la tête, Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui dire une putain de balle dans la tête, s'il te plaît. T'as vu ces hommes? Moi, mes hommes sont en train de faire de l'argent. Lui, il les ramène, il se planque, il reste debout ici. T'as peur de quoi? Tu penses que c'est nous? On va te la mettre à l'envers. Hey, il est vraiment fou, ce gosse. Hein. Comme il a envie, d'accord? Ok, tu le laisses faire comme il a envie, ton frère. D'accord, okay. Tiens, regarde derrière. Il y a ton meilleur ami King. Allez, vas-y, va l'embrasser, tiens. Écoutez, je te ramène un verre après. Van Gogh, bienvenue. T'emmerdes l'Ardenne. T'as eu d'ailleurs ton verre? La nouvelle m'a choqué, hein, je te cache pas pourquoi. Ok. Un autre peut-être. Non, pas besoin, pas besoin. C'est sûr. Hey, j'insiste, oui. Ça va. Non, merci, je vais me le payer moi-même, hein, avec mon argent. Okay. Non, mais j'insiste, je peux te le payer. Moi, c'est le serveur, il s'est fait kidnapper. Ah, il s'est fait kidnapper. Ouais, tout le monde s'est fait kidnapper, là. Il n'y a plus de serveur, là. Très bonne ambiance. Eh ben, parfait, très bien. Donc, il y a quelqu'un de... On part sans payer, trop cool. Il y a un fils de pute, du coup, qui a gâché la soirée, c'est ça? Oui, c'est ça. Officiellement fermé là, monsieur Bishop. Ah, c'est fermé du coup? Bah ouais, ils ont mis une annonce. Mais ils ont mis une annonce. Ah bah voilà. On peut finir notre plat tranquille, hein? Ouais, finir notre plat, bien sûr. Mais. Et. Du coup, pour être sûr, au cas où, bien sûr, dans ce testament, j'ai bien stipulé que vous êtes des responsables légaux, d'accord? Ok? Pas directement, d'accord? C'est sa mère qui est là. Non, écoute, chérie, j'ai juste dit. Juste au cas où, d'accord? Au cas où, si ça tourne au vinaigre, j'ai au moins mes deux fils pour être sûr que tout se passera bien. D'accord? Alors, je suis pas parlé de la part des mini, donc. Hey, c'est juste allez, pour vous êtes chaud au match, Valo? Moi, je suis sûr qu'ils sont un peu armés. Moi, je prends deux mecs de mon groupe à moi, père. Tu prends Yellow peut-être dans ce testament? Mais qu'est-ce qu'il a mis que Yellow? C'est toi ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est qui lui d'ailleurs? Un nouveau bichon? Non, c'est mon chauffeur et c'est un très bon chauffeur d'ailleurs. Juste un truc, juste il faut que cette gamine elle soit protégée au cas où. C'est un peu au-dessus de tous les problèmes. Déjà, protégée. Non mais moi, bien sûr, moi, écoute, papa, si t'as pas mis Yello dans le testament, ben mets-lui ma part à moi. Moi, je sais me débrouiller seul, hein. Pas besoin du testament, moi, je suis pas le Sosoni, hein. On veut pas de ta part, d'accord? Le testament, il bougera pas, il restera comme qu'est-ce il est. Qu'est-ce qu'elle a fait un pas en avant et elle est Hercule de 10 pas, putain. Ah, c'est simplement que tu as pas like, mal traumatisé. Like mon poste, forcément... Emily, j'ai mis une photo de toi et moi quand même avec l'enfant. Tu peux le like, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Papa, est-ce que tu te rends compte que t'as mis une part plus importante à un enculé qui a braqué ta femme à plusieurs reprises? Oui, je suis d'accord. Tu sais que... J'arrive pas à redescendre. Il me menace à chaque fois. Non, mais je crois que ton père est dans un autre monde. Hein. Toi, t'es le seul. Sacré descriptif de la photo. Il te parle correctement, mais il s'en fout de ta vie, mais royalement. Moi, je réponds juste à tes menaces, non, à toi. Émilie, demain, je t'enverrai un cadeau. Tu m'as menacé de mort ou pas ce soir, Émilie? C'est gentil, fils. Je t'ai menacé de mort si t'allais toucher à ma fille, oui. Parce que tu as dit que tu allais lui mettre une balle dans la tête. Quoi? Jamais ça. J'ai dit que j'allais faire un foot avec elle. Écoute, papa, j'ai dit que j'allais... Non. Émilie. Tu dirais jamais ça de ta famille. Tu mettrais pas une balle quand même, petite gamine. J'ai vraiment jamais dit ça. Je te jure, vraiment. Je jure sur... pas, il a braqué la sur maman qui est morte. Je jure sur elle. Il a juré sur maman. Mais les gars. Il a juré sur sa mère qui est décédée. Mais je te jure, j'ai jamais dit ça. Non, jamais... il aurait pas dû dire. Il a pas dit ça. Oui, bien sûr, il a jamais rien dit. Oui. C'est ton fils modèle, tu l'as bien dit. Hein. Ouais, dis-moi. Je suis avec mon père en repas de famille, c'est pour ça. Oui, bah, je sais bien que vous êtes avec votre père. Oui, votre dites-moi. Père. Votre fameux père qui mettait pas de cadeau sur votre sapin. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah, je sais pas. Bah, mais, pour écoute, mais pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir des photos avec vous? Hein? Jamais. Mais là, il y a le truc là, le. Enfin, vous m'avez banni du Nord, quoi. Bah oui, mais moi, vous avez jamais voulu prendre de photos avec moi ou on s'est mis sur Life in Vendor pour montrer qu'on était une famille? Bah, organiser un repas, je viens si... C'est vrai? Bah si vous avez une femme, quoi, essayer de construire une famille, moi je viens. Et vous ferez partie de ma famille? Bah je viens au repas. Et on prendra des photos, on s'offrira des cadeaux, etc. Oui. C'est pas prévu, ça. Bah très bien, j'organise ça, là. Parfait.
Ouais, ça a niqué du cerveau. Et il le joue trop bien, voilà, il me fait peur. C'est lui pousser la question. Si t'as des couilles, répète ce que tu as dit à Emily. J'ai dit, j'allais faire un foot avec sa fille. Ok, donc tu veux faire un foot. Oui, mais jouer au foot. Elle pensait que j'allais jouer au foot, en gros, c'est elle la balle, quoi. J'allais... Du coup, elle m'a répondu, elle m'a insulté, elle m'a dit qu'elle allait me tuer. Ça, bah c'est voilà, quand tu as dit qu'elle allait lui mettre. Ah oui, mais c'était. C'est bon. Oui. Ah, mais regarde, oui, Sony, écoute, sans objectif. Écoute. En gros, elle m'a dit si tu touches à ma fille, je te tue. Et je suis très sérieuse, tout ça. Et moi, j'ai répondu. Je te le redis devant. Oui. Bah, je comprends. Mais j'ai répondu quoi? Je t'ai dit, c'est normal, c'est l'instinct maternel et je respecte. Moi, je t'ai juste répondu une petite blague. Je t'ai dit si tu viens pour me tuer, je vais juste faire une roulade et te mettre une balle dans la tête. Oui, bien sûr. Mais c'est une blague, c'est une petite référence au. Il a fait une roulade, s'il fait juste une roulade pour mettre quelque chose dans la tête, non, c'est juste gros, parce papa, c'est une blague. C'est une blague pour les gars qui tirent, tu vois, qui font des roulades. C'était une blague. Elle a pas compris. Allez, parez-vous la bande de salopes, hein. Eh, c'est repas de famille, hein. Vous avez chaud pour votre patron, quoi, les gars, qu'on allait faire un boulot, quoi. Oh, c'est tonton, les gars, restez là. Vas-y, tonton. Tonton de quoi, il te connaît même pas là, vas-y. Ça c'est tonton ça. C'est tonton de quoi, allez dégage là. J'aime pas, regarde ces gars, des clowns. Putain, on dirait. C'est tonton Bishop ça, ça va tonton. Le gars torse nu, chante, je suis un roi. Ça se voit, c'est toi ça. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Je sais pas. C'est pas moi. C'est qui? Vas-y, barrez-vous là en famille. Vas-y tonton. Restez là. Mais qu'est-ce que... Mais t'as peur de quoi, Sony? Mais c'est grave. Eh, y en a qui sont dans de vrais business, dans de vrais trafics, frérot. Ah, okay. Tu vois, je suis venu ici, j'avais deux voitures sur mes côtes, tu vois. Mais je me sacrifie pour ma famille parce que c'est la famille avant. Ça, c'est papa, ton papa, c'est clair. Papa, c'est normal, un repas de famille, on est collés, ils nous entendent juste comme ça. Tu veux dire, c'est normal ou pas? Oui, la sécurité de leur street boss, je comprends pas. Moi, je suis de la famille, hein. Et la sécurité d'Yellow. Je comprends pas ça. Moi, je suis un bishop. Ok. Mais je peux trouver relativement ça étrange. Mais... Bref, moi j'ai juste dit à Emily que si elle vient me tuer, je fais une roulade et one tap. Mais c'est une blague. Oui, c'est une blague. Fallait pas le prendre. Tu connais comment elle. C'est vraiment une blague, vraiment. Oui, c'est vrai, il est tout le temps blagueur, ton fils, il tape dans sa peur. Il a un humour très sombre, mais je t'ai dit de l'accepter. C'est un. Il faut que j'accepte, j'avais oublié ça. Écoutez, on en reparlera, d'accord? Mais pour l'instant, ce testament reste comme ça. Peu importe ce que vous voulez faire, j'en ai rien à foutre, d'accord? Okay, c'est moi le décidataire de ce que j'ai envie de faire. Quand je parle du testament. Et la part de Yellow? J'en ai rien à foutre. Que... Je préfère faire en sorte justement que tout soit réglé. Elle aussi, elle a sa part. Ok? Un peu moins important que ses frères, logiquement, c'est normal. Mais t'auras besoin de nourrir la couleur. C'est quoi les pourcentages? Pourquoi c'est les pourcentages? J'ai pas envie d'en parler maintenant. Ok? C'est bon. Je n'ai plus faim, je veux plus manger. Dis-moi que j'ai quelque chose. C'est quoi les pourcentages? Ouais? Dis-moi, c'est ça? Tu as déshérité un de tes fils, c'est ça? Il mérite moins cher? Non, pas déshérité. Non, je lui ai dit comme quoi il prendrait une pire, pas un peu moins importante, c'est tout. Oui, c'est quoi un peu moins important? Un peu moins importante, ce sera beaucoup moins importante que les autres, c'est tout. Ah, beaucoup moins importante. Ah. C'est simplement une histoire d'être sûr que tout se passera bien. C'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait l'embrouille entre les deux frères. Donc forcément, je suis obligé de faire quelque chose. Pour éviter justement les embrouilles internes. Ils se font la guerre pour rien du tout, pour des conneries. Alors imagine que je leur donne 50-50 sur un testament. C'est ça. Non, parce que lui, il a été là pour moi. Toi, tu n'as pas été là pour moi. Mais tu sais très très bien qu'avec un coup de fil, je suis là pour toi, papa. Pourquoi je suis pas là pour toi? C'est parce que c'est toi qui m'as été là dans ce que tu fais. T'as été là pour lui? Tu oses dire ça? Ferme là, Emily, d'accord? Ok, je t'ai pas demandé de me ramener. Il va mourir. Elle a son mot à dire. Je la considère comme une bishop. Attends. À mes yeux, c'est une bishop. Okay, c'est normal, elle vient d'arriver. Et toi, t'as fait un gosse, hein. Moi, je sais comment ça s'est passé. Hein, il faisait en train de faire, comment ça s'appelle En train de faire un faire vos bêtises. Et toi, t'as dû retirer hein, la protection et lui dire non, t'inquiète, vas-y, Benny, t'inquiète. Vas-y. Et hop, Benny, et là, il se retrouve à te devoir de l'argent. Mais j'en veux pas de son argent. Arrête de mentir. Ben, pourquoi tu demandes alors pour Yellow? C'est indirect. Non, Yellow. C'est un plan indirect. C'est un plan 300 IQ que t'essayes de faire. Non. Ce que tu comprends pas, c'est que s'il met le nom de Yellow, s'il y a que Yellow qui touchera ses 18 ans, je ne toucherai pas un sou. Et oui, je pense à ma fille, oui. Mais ta fille, t'as vu comment tu vas l'éduquer? Elle va finir comme Ava. T'as écouté les musiques d'Ava?
Hey, je te permets pas ça, le fils. Ça veut dire quoi ? Pardon, papa, pardon, pardon. Non, c'est son. Non, Benny, mais alors, c'est pas rigolo, c'est son humour noir. C'est du humour, bah oui. J'ai compris son humour sur point. Tu répètes plus des trucs comme ça, espèce d'enculé, d'accord ? C'est. Il rigole. Papa, tu verras. Papa, tu verras. C'est un galard, mais c'est pas grave. Papa, tu verras que. Au fond de lui, s'il y a un problème, il fait en sorte de venir. Tu verras. Peu importe. Même quand il n'est pas mêlé, il fait en sorte d'appeler son père pour savoir si je vais bien ou pas. Merci. Là, il y a que la dernière fois que tu m'as appelé, putain de merde. C'est pour me demander les services ou pour me dire, putain, J'en ai marre, putain. Je t'appelle, je te dis, papa, viens, on se voit. Vous allez voir que le jour où Yellow sera dans la merde... Le jour où Yellow sera dans la merde, ça sera moi le premier à être là. C'est pour ça que je t'ai donné une part plus importante, c'est pour que tu assumes plus, espèce d'enculé. Parce que Clark, je sais très bien que tu vas pas assumer ta sœur. Peut-être, pour moi, le contraire, peut-être Clark. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Non, mais pourquoi j'assumerai pas ma sœur? Pourquoi moi j'assumerai pas? Parce que t'arrives même pas à gérer ton propre business. Tu fais que te cacher. Est-ce que vraiment je vais avoir confiance en quelqu'un qui fait que te cacher? Il a raison. Sale merde. Je sais même pas où t'es. Alors il y avait une bête de soirée que Juan a organisée. Je t'ai même pas vu là-bas. Normal, justement, je gère mon business comme tu le dis. Mais t'as raison, d'accord, ok, mais détends-toi un peu. J'ai peur que justement je te perds à cause de tes conneries. En gros, t'es tellement dépensé que tu finis par te mettre dedans. Comme t'as perdu le sud et que t'es dans le nord maintenant, planqué, en planque, tu crois qu'on est pas au courant, ça? Il est là devant toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais il est fou, mais il est malade. Mais parle bien de Benny Bishop. Ben oui, le fils modèle, hein. C'est le moment, là, c'est le moment de le lustrer. Écoute, Clark, arrête de croire que je t'en veux. T'as l'impression que le monde est contre toi ou que moi je suis contre toi. Non, c'est pas le problème. Je veux juste. Tu te rapproches un peu plus de ta famille, c'est tout. Que je puisse savoir que je peux compter sur toi, pour Yalo. Pour ta famille, putain. Qu'est-ce qui fait que t'es aussi solitaire comme ça, Sonia? Pourquoi t'es aussi solitaire? T'es pas dans moi, Vous voulez que je vous dise pourquoi? Il y a un truc qui a brisé, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a brisé. Papa, t'es au courant de ce qui s'est passé dans le Nord, ce qui a brûlé, ce qui a explosé, tout ça? Je jure sur maman qui est décédée. Sony, il y avait des gars à lui sur ça, voire lui. Je le jure, j'ai toutes les preuves, j'ai tout. Ah ouais, bah mais attendez, depuis quand une bande de fils de pute que vous êtes, vous faites de la politique, vous deux là, c'est quoi vos conneries? Je m'en bats les couilles, j'ai jamais voté, moi je fais de l'argent. Mais c'est lui, il fait de la politique, moi je fais de l'argent. Regarde, mélanger ces conneries, hein. Regarde, moi je suis pas dans des histoires de politique de merde. Oui, je t'assure qu'il est dans la politique. C'est pas comme votre groupe de merde. C'est bien vu ce qui est arrivé à Jake, hein. Regarde, je suis banni du Nord, on verra si moi je vais faire quelque chose, je vais faire de la politique. Depuis hier, pourtant, la politique tu la faisais bien avec Cooper, hein. Quelle politique, je faisais de l'argent, moi, rien à voir. Je remplissais ces missions. D'argent faisant quoi? Allez, dis-nous. Bah, ces missions. Ouais, comme quoi comme mission? Comme kidnapper un agent du LSPD dans le sud. Ouais. Hein? Ouais. Et voilà. Waouh. Alors, pour servir les intérêts d'un État nordique. Les deux, je ne peux pas mélanger la politique, putain. Mes fils de pute, on est des. À quel jeu vous jouez là? Enfant de pute. On est des mecs du Nord. Papa, c'est vrai, non? À la base. Mais il est con, lui. Mais tu prends leur cause, tu prends leur cause. Tonton Bishop qui est décédé, te cracherait dessus. Il est tellement bête et simple qu'il ne connaît pas la définition de faire de la politique. Tu vois, c'est pour toi venir et aider Ben Kunchi, c'est faire de l'argent. Non, c'est faire de la politique, trou de balle. En fait, regarde. Il a raison, tu fais de la politique. D'accord, mais moi, on m'appelle. Par exemple, ce soir, Reyes, c'est lui qui a livré un agent là au Nord. Il a été payé, mais il s'en bat les couilles de la politique. C'est de la politique. Non, c'est plus de l'opportunisme. Merci. C'est juste, moi, il y a une occasion de se faire de l'argent, je fais. C'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je suis millionnaire. Je peux le dire, je suis millionnaire. Eh ben, félicitations. Grâce à tous mes business, etc., je suis millionnaire. Quoi comme business, vas-y, Jean. Putain, en fait, papa, j'ai compris. Je vends de la mèche, je vends de la coke, je vends des armes. Je vends de la coke, je vends de la mèche, je vends des armes. Aujourd'hui, j'ai fait ça, du coup, tu crois. Mais je lui dis rien, il sait même pas ce que je fais. Papa, je t'ai déjà dit quelque chose de ce que je faisais. Non, mais papa, regarde, à partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler tous les jours et je vais te dire ce que je fais. C'est bon, c'est ce que tu veux. Allô, je suis en réunion famille. Ce que vous faites, c'est pas le problème. Il comprend pas, le pauvre. Je veux pas savoir ce que vous faites, j'en ai rien à foutre de ça. Non, mais regarde, je vais. Tu vois, mon père, il savait même pas que j'étais banni du Nord. Mon père, il savait même pas que j'étais banni du Nord. Je veux juste un truc, que vous arrêtez de travailler avec les putains de politiciens. Votre défunt oncle a exactement fait la même manière et il a fini 6 pieds sous terre. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec les politiques, même si on n'est pas familier avec eux. Ça, c'est mon rappel. Donc c'est qu'une histoire d'héritage, si vous voulez, mais moi c'est au-delà de ça. Je veux que vous faites en sorte de vous éloigner de ça pour pouvoir protéger les derniers des bishops. Si vous pensez être juste pour votre honneur personnel, c'est pas comme ça la vie.
Vous avez un nom et il se portera jusqu'à la fin. Et si vous n'arrivez pas à le rentrer dans votre cerveau, il va falloir le faire bien rentrer. Oh, personne à boire là ? Il n'y a personne, tu vois bien qu'ils sont tous ébraqués. Il y a quelqu'un à boire que peut-être non. Papa, t'as des couilles ? Papa, t'as des couilles ? T'as des couilles, papa ? Non, j'ai pas de couilles. Non, mais moi, parce que j'ai l'impression que tu te laisses aller là ces derniers temps. T'as des couilles. Non, mais moi, je veux savoir pourquoi tu nous parles d'un testament alors que tu viens de te faire kidnapper. C'est quoi là ? Il se passe quoi, Benny ? Papa, écoute, Hammer, papa, tu vois ce gars-là, Hammer ? À l'instant, il vient de commenter ma publication avec ta fille et il a dit elle va vite retourner au lobby avec cette famille de détraqués. C'est-à-dire référence à Warzone, en gros, elle va mourir. Elle va vite mourir avec cette famille de détraqués. Donc, il parle de Bishop. La mère, c'est Hammer. Regarde, c'est Hammer, c'est son compte. Donc, il parle des Bishop. Viens, Hammer, viens. Et voilà. Il parle des Bishop, juste ta fille dit qu'elle va mourir. T'as retourné le cerveau, du coup, regarde. Clark, je vais juste lui demander, d'accord ? Non, c'est un mode de jeu. Tu peux regarder aussi ce qu'il a marqué sur moi, c'est sympa aussi, ton fils. Mais j'ai écrit quoi ? J'ai écrit quoi de mal ? J'ai pas regardé. Mais j'ai écrit quoi de mal ? Allez vous faire foutre. Mais j'ai fait quoi, Emily ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah ouais, c'est de la merde. Mais j'ai fait quoi ? Bishop, l'écoutez pas. Ah, en page de lit, en page de lit, non mais. T'as essayé de commencer à dire comme quoi tu veux buter ma fille comme si c'était une partie de. Enfin, écoute, repas de famille avec ma nouvelle petite sœur qui vient tout droit de la grosse chatte à Emily. Waouh. J'ai pas écrit ça. Mais quelle honte ! Je jure, sur la tombe de maman, j'ai pas écrit ce qu'il vient de dire. C'est pas exactement ça. Non, mais alors, Benny, tu vas prendre ton téléphone là, s'il te plaît. Mais regarde, je lis. Parce que pour. Non, mais parce que pour faire le beau. Repas de famille avec ma nouvelle petite sœur. Qui vient Emily, tout droit de spawn. Mère, s'il te plaît, le spawn de la chatte à Emily. Oui, non, tu l'as perdu. Je l'ai perdu aussi. Mais j'ai juste dit qu'elle vient de spawn de la chatte à Emily. C'est comme ça, c'est la science. C'est... Hashtag papa baisse de ouf. Oh ouais. Ah oui, quand même. Non, je peux plus. Oh lolo, mais en fait. C'est vrai qu'on a une belle image, les Bishop, hein, sur les réseaux. Grâce à ouais, ça. C'est magnifique. J'essaie de fêter la naissance à ma façon. On vient, on me target. Et moi, grâce à ton fils, je suis la pute de Los Santos et du Nord. Donc c'est magnifique. Mais, mais de quoi ? Comment ça ? Écoute, t'es la pute de personne, d'accord, ok, faut arrêter de penser à ça, d'accord. Mais t'es la femme à mon père depuis longtemps, donc c'est normal. Arrête de penser à ça, allez, moi j'en ai marre de ce cirque, je sais pas à quoi ça mène tout ce putain de repas de famille. Moi c'est que du folklore, c'est que du carnaval. Allez, tout je m'en vais. D'accord avec toi, Emily. Emily, je peux tenir le baby ? Faites un bisou à ma petite sœur. Emily, je peux tenir le baby un peu ? Je préfère pas aller toute petite, mais... Bravo, papa. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Yellow. Ouais, tu vas perdre. Félicitations, mon fils. Tu vas perdre Yellow. Tu vas me perdre. Hein. Mais bon, coucou, Yellow. Pas grave, tu restes avec lui. Hein. Il va t'aider, ton fils modèle. C'est pas ce que j'ai vu, mais j'ai l'impression que tout le monde veut faire sa petite interprétation de merde. Mais reviens, Emily. Emily, je m'excuse. Emily. Oh, attends, Emily. Je vois ta sœur creepy, attends. Annabelle, my hurt, my hurt. Des mecs qui la respectent au moins. My honey. À quel âge, là ? C'est vrai qu'il a pas tort sur ce point-là. Toi aussi, quoi, va te faire foutre, d'accord ? Toi, va te faire foutre, putain. Non, toi, va te faire foutre. T'as perdu la tête, bordel. Quoi, t'es jaloux ? C'est quoi ton truc ? Jaloux de quoi ? Tu vois pas que Sony, là, il veut t'aider, bordel. Tu mets de côté, moi. Mais bon, Juan, tu mets de côté, tu mets de côté à chaque fois. Juan, t'étais amoureux de Lucia, hein, la plus grosse salope de la ville, donc bon, ouais, toi t'as pas ton mot à dire, toi. Ouais, bah toi t'as bien baissé des putes aussi, non ? Vous voyez Juan ? Voyez lui, il était amoureux de Lucia. On reste pas à Juan, les gars, Juan est un bon. Ça a sucé tout l'enfant. T'es pas amoureux, je me raconte. Emily, reviens, on rigole, c'est bon. C'est ma femme. En fait, pour moi, c'est vraiment pas un manque de respect, c'est juste, voilà. C'est comme ça, c'est le langage de la rue. Ouais, le langage de la rue avec ta sœur, ouais. Avec quoi ? Avec ta sœur, ouais. Ah, mais c'est bon. Mais en fait, ta fille, ça va être une gangster. Que tu le veuilles ou non, malheureusement. R.E.P. Amy. Elle va grandir, elle va prendre un calibre et tu verras ce qu'elle va faire. Le numéro, Sonny, dis-moi. Bon, allez, terminé, fin du bal. On ferme le putain de livre et on fait en sorte de rentrer chez soi, d'accord ? C'était un plaisir quand même, ce repas familial. Et ce sera encore un grand plaisir d'essayer de reparler un peu de Céline du Testament, hein. Allez, on rentre chez soi et bonne nuit à vous tous. Hein, c'est une agréable soirée. Ouais, également. Ouais, c'était super. Bien. Allez, évidemment. Waouh, on remet ça. Ah, je peux te parler. Ouais, de la réunion de famille en tout cas. Ouais. Tiens, les clés. La voiture. Juste en face. Je m'attends demain. Bonne soirée. Hein. C'est pour la petite. Pourquoi t'as mis une la grosse nec de ma femme ? Mais non, mais j'ai juste dit, elle vient de spawn de la chatte à Emily. En gros, c'est la vérité. Elle est césarienne. Ah bah oui. Eh ouais, okay. Elle est sortie par la chair, putain de merde. Césarienne, sa grand-mère. Elle est sortie du ventre, mais c'est oui, bien sûr. Sinon, tu vas courir, elle va croire qu'elle achète en chauffeur. Alors, c'est pas le cas. De toute façon, je la touche pas, moi. C'est vraiment ma... Là, elle a pris 10 ans en plus. Vraiment, il y a... Eh,
tu te fais un film. Moi, il n'y a jamais rien eu. C'est ça la manque. Non, j'en ai rien à foutre, mais respecte-la. Je t'ai demandé simplement de la respecter. Tu verras, le jour où elle aura un problème, ça sera moi qui sera là. Et là, elle va fermer sa gueule. Et elle verra que voilà. J'espère que tu vas pas donner raison à ton frère. C'est tout. Mais attends, mais ma part, la part, pour le... C'est demain, mon amende. À quelle heure? C'est... Ben, je sais pas, c'est vers... Je sais pas quand. Ok, très bien, ouais. Et tu veux que je te donne combien, hein? Que je sorte une mallette comme ça de mon cul? Qu'est-ce qu'il te dit? Vas-y, tiens, j'ai 200 000 dans les poches. Mais tu m'as dit que t'allais me passer ma part. Ah, bien sûr, j'allais te dire, mais... Ça s'est même pas bien passé. J'ai cru que ça allait bien se passer. J'avais le temps de faire un aller-retour dans le Nord. La seule chose que je vais faire, c'est que ma femme va me faire dormir dans le canapé et que mon fils va me bouder. Et que l'autre, il est juste en train d'être le pire, comme ça, en train de bander dans les réseaux sociaux. Voilà ce qui s'est passé réellement. Arrête, papa, arrête. Ouais, j'arrête, bien sûr, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais rentrer dans la voiture et je vais aller en prison demain. Tu vas pas aller en prison. Je te... Mais... Tu aurais été débrouillard et tu vas... Mais si j'ai pas l'argent, l'amende, c'est demain le dernier délai. Alors, tu passes avant d'aller à la procédure dans ce cas-là. Je te donnerai ta... Ah, ok, vas-y. Par contre, je préfère te dire, Arden. Je suis pas ta donneuse d'esprit, t'as bien compris? Le moindre centime, le moindre copec que tu fais en sorte de le rendre à ton père, tu te dévoies, tu te démerdes. Je t'ai fait mal. Le problème, c'est les tiens et tu les géreras jusqu'à la fin. Là, moi, je demande juste la part du braquage et toi, tu m'as proposé ta part aussi. Donc, j'ai accepté, c'est tout. Comme je suis en train de t'expliquer encore une fois. À demain, Emily. Pour ma part, tu vas te démerder pour faire en sorte de me rendre. J'ai changé d'avis. Observe-moi sur ton testament, tu feras en sorte de récupérer ta part. Parce que cet argent, j'en ai aussi besoin. Ok. Mais des testaments de quoi? Comment ça, tu vas mourir, là? Non, mais simplement pour être sûr. Je crois que t'as pas compris, Arden, les enjeux, là. Et je veux pas que ta sœur devienne une pute. Je veux pas qu'elle traîne avec n'importe qui, n'importe quoi. Je veux pas qu'elle commence à traîner avec des gens bizarres et que le nom des bishops soit sali à cause d'un camp d'enculé. Je veux que même la personne qui va venir juste pour lui dire bonjour ou coucou et lui dit avec respect et qu'il baisse les yeux quand il va la regarder. Tu comprends? Une vraie bishop. Je veux qu'on respecte ma fille. Et si ça passe pas par toi, ça passera par un autre. Et c'est pour ça que j'augmente mon truc. Et je fais en sorte justement que tu comprends. Non, ça n'a pas l'impression, c'est ça le problème. Si je te dis l'impression que tu donnes. Tu te rends pas compte que moi je suis vraiment ton meilleur fils, hein? Et tu te dises pourquoi? Je te fais confiance ou tu vas parler? Je t'écoute. Cooper, il m'a appelé. Cooper, en fait, il est tombé amoureux de moi, mais en tant que père, je te jure. Et tout à l'heure, il m'a appelé, là, l'instant pendant le repas. Il m'a dit, oui, je sais que vous êtes avec. Il m'a dit, oui, je sais que vous êtes avec, tout ça. Mais il était triste, il me disait, et moi, on peut pas faire des photos comme vous faites, là. On peut pas faire des repas, tout ça, Bref, il m'a dit, après moi je lui ai dit, ouais, bah, organisez un repas, je viens. Il m'a dit, ah, vous êtes sûr? Ah ouais, t'acceptes? Et en fait, il est tombé amoureux, mais en tant que père, mais comme un malade. Mais vraiment, je te le jure. Mais c'est un psychopathe, d'accord. D'accord, oui. Mais c'est pas pour rien, okay. Mais c'est pas pour rien que c'est moi, parce qu'il voit que je suis un jeune vif, tout ça, qui sait se débrouiller. C'est tout. C'est tout. Mais t'as jamais eu personne à protéger autour de toi, à part toi-même. Là, c'est différent. Ouais, mes gars, moi je les protège, moi. Ouais, t'en as rien à foutre. Combien de tes gars ont sauté et que tu en avais complètement rien à foutre? C'est vrai. Ouais, très bien. Mais tu verras ta pareil. Fille, dès qu'elle aura le moins de problèmes, je serai là. Mais... Ok, je t'écoute. Et du coup, Putain, mais vas-y. Ta part, tu la récupères demain, putain de merde. On y va, chérie. Allez, donc c'est le moment. Niquez vos mères les putes, bande de fils de pute, voilà, je vous débite moi, bande de salope. On chauffe. Ça y est, lui, ça y est. Choc ça, tente-moi en conduite, hermano. Ouais.
chance, il est 3h dans 3 minutes. Et... ouais, ok, d'accord, ouais, t'es juste semé, frérot. Hein. Ta voiture va beaucoup trop vite, ça fait chier depuis toi. Non, je te jure que non, je te jure, ta voiture elle va plus vite. Elle pue sa mère, moi, c'est que le visuel, hein, c'est juste, je suis trop fort. Et nous aussi, c'est que le visuel, t'as vu, vraiment, t'as vu, elle va à 160. Ah. Mais T'as dit quoi, rendez-vous de famille ou pas? Je vois les darons, le daron, les frères. Ouais, si tu connais, hein, c'est, je sais pas, nouvelle petite sœur, fallait, hein, petit repas. Mais pour fêter bébé, ça. Pourquoi son bébé, il est noir? Non, non, il est blanc, il est blanc. C'est moi, j'ai créé cette rumeur. Oh, putain, c'est celui de la baiser, quoi. Ah, je sais pas si, hein. En plus, je suis mort, le daron, il commence à dire à Sony, ouais, tu fais rien, tu restes caché. Il commence à l'en... il lui dit, ouais, tu vas même pas aux concerts, aux événements. Et il a embrouillé sa grand-mère. Après, il a raison. Oui, oui, il a raison. Ma mère, il a raison. Grosse force au daron. Bon, vas-y. Vas-y. Pep, mollo, l'astico, là. Ouais, bah, les couilles, m'en bat les couilles. T'inquiète. Oui. Oui, salut, oui. Ça on peut parler ou quoi, Thaïs? Ouais, ouais, carrément, carrément. Que vas-y, chut, eh, hey, cousin, mais la vie de ma mère, elle... hey, vous êtes une honte, hein, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On peut parler? Putain, ouais, t'es allé au guapo, ouais. Attends. Attends, j'ai juste demandé du coup à Blake de gérer à ma place. Ah, vas-y. Allô. Allô, vas-y, viens, au Bahamas. Frère, je viens de... j'ai 200 de phosphore rouge, là, t'inquiète. Vas-y. Ouais, creepy. Ça va ou quoi, papy? Ah, tranquille. Ouais, ben. Et toi, c'est comment? Bien. Ça va. Creepy, on m'a dit, tu voulais signer Thaïs, c'est comment? Bah, je vais parler avec elle direct, hein. Tranquille. Bah, elle est signée chez nous, t'as vu, je te vois pas que... Vas-y, votre label est éteint, y'a pas de direction artistique, y'a rien, y'a que du... Oui, bon, d'accord, t'as vu, tu t'es réveillé hier pour faire ton label, t'as vu? Nous, on a... T'as vu, Thaïs, elle est impliquée dans un projet, t'as vu, depuis quelques semaines. Quel projet? T'as vu, c'est la guerre avec Ava. T'as vu, j'ai créé une guerre entre les deux. Mais y'a pas de hype là sur votre guerre. Et moi, je vais ramener cette hype. D'accord. Mais paye. Elle est signée où, Ava? Je t'ai dit avec les Crimson. Crimson Records. Mais pourquoi là? Mais elle est vraiment trop conne, Ava. Ouais, ben techniquement, t'as vu, en vrai de vrai, t'aurais dû la faire signer chez toi. Mais je lui disais, mais elle voulait pas. C'est pour ça que je vais lui niquer sa carrière. Mais t'as vu, je vais faire de Thaïs. En fait, il faut que je parle à Thaïs en tête à tête, c'est pour ça. Ouais, mais le problème, c'est que Thaïs, oui, mais dans tous les cas, discutez deux secondes, j'arrive. Mais dans tous les cas, elle est sous contrat avec toi, je pourrais pas sortir de son si ce contrat, elle le quitte pas, voilà quoi. Elle peut pas le quitter, t'as vu. C'est quoi le contrat, dis-moi, c'est quoi? Il y a des clauses, c'est Boaz qui les a mis en place. C'est quoi, les clauses, c'est quoi? Moi, je les ai pas, moi, les clauses. T'as vu, c'est... Si tu veux, demain soir, on se fait un rendez-vous, on parle de ça. Regarde ce que je te propose. Vas-y, il me faut Thaïs, cousin. En fait, je veux éteindre Ava. Mais t'as vu Thaïs, là, j'ai déjà préparé, elle a préparé un son, là. Ma mère, moi, j'ai trop d'idées. Oui, mais moi, je vais faire vraiment des dingueries, sa mère, la pute. Putain. Comment on peut s'arranger, comment? Gros, t'as vu? Là, je vais, comment dire, t'as vu, j'ai déjà prévu de la faire shoot sur Ava. T'as vu, il y a des dingueries qui arrivent. C'est quoi, va tirer sur Ava? Putain, c'était ça, mon idée, j'ai la haine. On va lui faire passer un message, c'est... Je veux vraiment faire une guerre de meufs de ouf, t'as vu? Ah ouais, toi aussi, tu te réveilles maintenant avec ton label. Pourquoi tu parles du me réveille maintenant? Moi, mon label a toujours existé, j'ai 5 artistes, j'ai la limite max, carrément. J'ai signé Kenneth il y a une semaine, tu me racontes, il a sorti un son. Ah oui, mais ouais. Bah oui, mon label il tourne, c'est juste que j'avais pas... En fait, je savais pas que Thaïs, elle existait. Enfin, si, mais qu'elle était forte, en gros. Mais c'est quoi le numéro d'Ava? Ava, c'est la... Eh, je vais lui niquer sa carrière, elle. La vie de ma mère, c'est quoi son numéro? Je vais l'appeler tout de suite, elle... Cette pute, là. Triple 5. Ouais. 94-311. Après, t'as vu le Crimson à tout moment, pour dire. C'est comment? Tu sais que lui, t'as vu, lui, il est en galère à mort, t'as vu? Ça veut dire que je pense que lui, tu lui sors un billet. Tu la récupères avant. Pourquoi elle a signé là-bas? Moi, c'est elle, elle me fout la haine. Elle me fout la haine avant, moi, j'ai envie de lui niquer sa vie. Elle me fout la haine, elle est trop bête, elle réfléchit pas. Mais parce que, t'as vu, elle,
de ce que j'ai compris, t'as vu, elle a besoin que tu la mettes en confiance. Mais quelle baisse sa mère. Je lui ai parlé, la vie à mère, je lui avais dit des trucs de ouf. On va lui faire une vraie carrière. On voulait faire. En plus, c'était au début du label qu'on était 100% sur le label. Et elle faisait la meuf. Non, moi, je cherche pas de label. Elle me disait que ça. Parce qu'elle a cassé avec son mec ou pas? Est-ce qu'elle a cassé avec son mec? Non, elle est toujours avec. Parce que je me rappelle, c'était son mec qui niquait tout. Il disait non. Qui est Tariq, en gros, il disait ouais, c'est mieux que tu sois en indépendant. Hein, fais un fils de pute. Ouais, mais là, maintenant, ça a changé. Ça veut dire que oui, c'est très bien qu'il faut aller dans un label. Mais t'as vu, je suis sûr que le label, c'est son pote. Je suis sûr que le label, c'est son pote ou un truc comme ça. Non. C'est parce qu'elle a des mix gratuits, c'est pour ça qu'elle a signé là-bas. C'est ça. Mais ça aussi, t'as vu, c'est une bouffonne parce que même moi, j'avais dit à Boaz qui. Mais dis-toi, son mixeur à Crimson, il demande des chips à Boaz, donc vas-y, bref. Ah ouais, il y a des vrais clashs, hein. Mais la vie doit mère que ça, mais alors ça fait pas vas-y, Thaïs, quitte. T'as eu bon, Boaz, il va jamais l'aider à son mixeur. Tu peux m'envoyer le contrat, juste le contrat que t'as avec. Bah là, j'ai qu'un contrat de 3 sons, tu vois, il voulait voir comment je vendais. Impeccable, vas-y, bon, spam les. T'as combien de sons là? Là, je suis à 2 sons là. Impeccable, vas-y, tu fais le dernier et. Putain, j'attends juste Guapo, je vais te faire la proposition. Il va falloir aligner. Moi, je mise beaucoup sur elle. T'as intérêt à avoir une vraie proposition, hein, parce que moi, Sex Money Record, il me propose aussi. Je suis bien là-bas. Tes signages, t'as vu. Non, tranquille. Vas-y, je pose 200 000. J'allais faire une. 200 000 pour. Je veux dire, t'es signé chez Sex Money Record, ni pour la monnaie, ni pour le record. 200 000 d'avance, on parle en chiffres. Ok, et pourcentage? Royalties? Ça bouge pas. Ah bah ça bouge pas, ça va poser problème. Hein. Comment ça? 200 000 d'avance, t'as pété le plomb quoi? 200 000 d'avance, c'est 200 000, moi ça me fait même pas 2 semaines, hein. Je peux pas te mentir. Vas-y, va prendre 30% avec KDP. Ah par contre, je prends pas 30%. En fait, t'es hein. En retard. Hein. Non, mais parce que là, oui, mais si t'aurais 0 son, t'aurais même pris 15, hein, si tu me racontes. Par contre, avec une grosse signature, à 50 000, 75 000, tu vois. Mais là, t'as déjà fait des sons. Donc, ça dépend ce qu'on compte faire. Ok. Là, la dernière signature que j'ai eue, c'est Ken. En fait, t'as vu, nous, c'est vraiment un label ouvert musicalement. On a beaucoup d'artistes sur différents styles, tu vois. On a un rappeur, Savage. Enfin, deux rappeurs avec Ghost Dog, de deux styles différents. Savage, c'est un chanteur. Tu vois, un peu, il chante un peu dans la mélo. On a Ghost Dog dans le hard. On a Guepo qui a rien sorti encore, qui est dans la mélo. On a Kenneth qui est dans la country. Hein, c'est quelque chose. Kenneth dans la country. Okay. Et on a qui? On a, je crois... Cooper dans la country. J'invente. Ok. Donc ouais, vous êtes assez ouvert niveau style. On a, et surtout de très gros artistes. Et on a aussi Devon. Devon qui est dans le rock un peu. Le rock, je sais pas si tu connais Devon. Ouais, il est dans le rock un peu, dans la mode rap rock, tu vois. Ok. Et ça veut dire que nous, on cherchait notre queen, tu vois, notre reine, t'as vu. On avait tenté Ava, son profil, on lui avait parlé, on lui avait proposé des dingueries. Genre, on l'a signé, elle avait sorti un seul son, on lui disait on va tout faire, les clips, tout, on fait une dinguerie, tout ça. On te signe, on te donne grosse prime à la signature, tout ça. Elle faisait que de nous dire, non, je cherche pas de label. Je suis une petite chanteuse, je prends... En gros, elle commence. Ok. Ça veut dire que... Ouais, frérot. Ouais. Ouais, salut. Ça va? Ouais, salut. T'as payé? Ouais. On parle entre nous, non, là. Non, mais je suis avec mon Young, moi. Ouais, bon, on est en train de discuter sérieux, les gars. Si vous voulez. Il est avec moi. Ouais, Vinny, t'as moyen de descendre avec ton pote ou quoi, s'il te plaît? C'est pas le même. Vas-y, je descends. Vas-y, Nick. Vas-y, merci. Sinon, c'est 50$. Hein. De putain, comment tu parles à Thaïs? C'est à toi qui parlais. Ouais. Mais vas-y. Je voulais te retourner. T'as vu? Ça, c'est un petit test. Tac. Elle est pas conne. Lucide d'esprit, vif. Tu vois? Donc, nous, on a entendu ton son là, le dernier. Il y a quelque chose. C'est pas encore ça, je te mens pas, parce que t'as vu, t'es pas encore à Narwhat, ça se voit. T'as pas encore l'infrastructure, ouais, t'as pas le. Non, mais y a pas la patte Narwhat, c'est capé. Ça, y a pas la petite touche artistique d'NWR, tu vois. La What's Touch. Mais je pense qu'avec ces petites touches, tu peux vraiment être l'une des plus grandes artistes de Los Santos et de Blaine County.
Mmh, ok. Et ça, okay. Ça commence par musique, physique, éthique, tout. On bosse sur tous les points. On a Guapo qui s'occupe du style, moi qui m'occupe un peu de la direction artistique. On a Sevège qui s'occupe de la musique, direction musicale. On a Mélo qui s'occupe de la crédibilité. Okay. Voilà, parce qu'il y a plusieurs terrains. On a des contacts pour des articles, tout ça. Vraiment faire des vrais dingueries, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas ce que je raconte. Mm-hmm. Ok, ok. Et maintenant, niveau projet, t'as quoi vraiment à me proposer, genre, moi, tout ce que j'ai besoin de toi, c'est vraiment, j'ai besoin que tu viennes devant le micro et c'est tout. Et t'as une feuille, tu vas lire dans les temps qu'on va te dire, tout ça. T'auras juste à poser ta voix, c'est tout. Parole, tout, c'est nous, on va le dire. Tout, on va tout faire, sur un plateau d'argent, en or. Toi, tu viens, tu poses ta voix. C'est limite, on va te créer. Et t'empoches les racks. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais quand tu parles d'écriture, tu parles de quel genre d'écriture? C'est quoi, tu veux éteindre des gens? Ça va être à base d'une punchline, ça veut dire « Ava, nique ta mère la pute qui suce des bites dans des caves », par exemple. Ah, mais ce genre de phrase, ce genre de lyrics, ce genre de punch. Tu vois ce que je veux dire? Je suis chaude, vas-y. Bref, de ce genre de punchline très bien écrite et très réfléchie. Okay. Pour Et puis voilà quoi, maintenant le problème c'est que t'as sorti deux sons, c'est ça? Ouais, j'ai sorti deux sons. Il te reste un son et t'es libre, c'est ça en gros? Sur quoi? Sur quand le troisième du coup? Là, normalement, sur bientôt en plus. Là, je suis en train de faire un son sur CJ et Dagoon, fils de pute. Et du coup, bah, il va sortir soon, hein, on verra. Le problème, c'est que mais pourquoi sur Dagoon? Les artistes, t'avais des no-names. Ah, y'a pas de buzz. Là, bah, ma mère, ouais, rien à non, avec c'est, eux. Au c'est contraire, juste c'est connais, toi, moi, tu leur donnes la visibilité. Moi, regarde, j'ai pas de problème avec fais des un, gens, der- donc fais un son rien à voir, là, le dernier. Parle pas de ça. Un son laisse, commercial. Laisse le clash quand tu seras à Narwhatz. On est spécialisé dans ça. C'est vraiment, tu vois, reste si t'es objectif. Et nos auditeurs, c'est. Ils savent. T'as vu avec la série qu'on a fait avec Sevège, la série Je vais te tuer. T'as suivi un peu? Ça se voit, t'es une fan. Ouais, ça se voit, ouais, c'est ça normal. Ça va être, j'aime bien, moi. Ça va être, j'aime bien. Ouais, je vais te tuer. T'as vu chaque son, la personne est morte. Eh ben, on peut faire un Je vais te tuer, mais pour Thaïs. Tu vois, on a les droits, vu que c'est à nous, ça nous appartient. On peut le faire. Je sais pas, un truc Je vais te tuer, non, en vrai, ça pue sa mère. Vaut mieux on va trouver un concept. Voilà, c'est... Et nous, derrière, je vais pas faire la proposition devant Reyes, hein, parce que vas-y. Mais T'as vu là ce qu'il dit là, moi je le prends même pas en compte dans le sens dans ce qu'on va lui proposer derrière. Que tu sois au courant, t'as vu. Je suis pas une salope. Hein. Mais voilà quoi. Ok. Au niveau c'est comment, on a des managers, on a de la com, on je a des. Dit, t'as tout. Ouais, t'as vu, je t'explique, t'as plusieurs managers déjà qui s'occupent de ton style. On a une coiffeuse, shopper, on a tatoueuse, tout. On a une danseuse parce que tu vas apprendre à twerker, tu vas bouger tes fesses. C'est comme ça que ça va. Je vais faire déjà. C'est ça, oui, mais nous, ça sera encore mieux. Ouais, des trucs, tout ce soit hardcore. On a un prof de sport. Prof de sport. Et on a aussi tout le reste. J'ai dit la Watts Touch. Le matériel nécessaire. NWR Touch. T'as fermé ton label, Reyes? Non, même pas, mais j'écoute, okay. On lui laisse présenter leur truc. Ça veut dire que voilà, tu veux devenir la star, et sachant que, après, avec tout ça, il y a aussi surtout, la motivation. C'est qu'on est déterminé à éteindre la carrière de cette pute d'Ava. Ça veut dire qu'on va tout miser sur toi, vraiment tout. Le meilleur studio, okay. Le meilleur clipper, tout, le meilleur ingé son, tu vois ce que je veux dire? Dans de très bonnes conditions, tu seras. Mix et tout, t'auras même un mixeur pour faire à manger. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de punchline que je te sors d'un coup sans un claquement de doigts. Ouais. Donc toi, tu viens, récap, hein, tu viens devant le micro, tu lis un texte, tout ça, et c'est fini. Et tu rentres chez toi, tu fais rien. C'est fini, la vie de ma mère, moi je suis d'accord, hein. Il a raison. En fait, tu peux faire n'importe quoi, bah, ça a marché quoi. C'est ce que je veux dire ou pas? Exactement. Je capte. On t'écrit tes paroles, on choisit et les sons. Et tu rotes au micro, juste, il y a écrit Northwest Record et c'est bon. C'est, Sony, ça marche. Dis-moi un son de merde qui est sorti de chez nous. Par contre, toi, un flop, il y en a eu un Dagoon. Ah putain, carrément, je savais même pas qu'il était sorti le son. Quoi, le son de Jersey? Mais t'es malade, c'est un classique, fils. Ah ok. Oh, arrête, une terme de musique, frérot. T'as vu, Savage, d'accord, on peut pas parler ce que tu veux.
Oui, mais t'as vu, en termes de musique, de vraie musique, t'as vu. C'est merde, j'ai regardé ça bien vu, mon gars, pour le 7ème mois. Sur Dagoud, c'est tout. Même pas, même pas. Mais ma mère, le son de Jersey, t'as vu, il prend celui de Dagoud, il le mange 50 fois. Parce qu'il y a, que, des, bon, y a que du clash. Mais il est malade, lui. Mais t'as écouté le son de Dagoud ou quoi? Vas-y, abuse pas. Bref, t'as il est ma mère, je te jure, même, hein, t'as vu, je te jure sur tout ce que j'ai plus cher, vraiment. Regarde, c'est simple, regarde les chiffres. T'as vu, les deux, ils sont sortis sur la même chaîne. Regarde les vues, cousin. C'est normal. Mais normal, c'est de quoi Ops. Comment tu expliques ça, Soli, s'il te plaît? C'est le son d'un Ops, c'est le son de Dagoud. La ma mère, il aurait clashé. Oh là là, Dagoud serait un Dirty Antis, la tête de ma grand-mère, que le son, ça l'aurait sucé de fils de pute. C'est un Ops. Cousin, même Savage, il a sorti un son, ça l'a vanné. Quand c'est mal mixé, ça l'a vanné, ça l'a terminé, ça a dit sa grand-mère. Mais le son, il est pas nul. Oui, mais ça a vanné quand même, en gros, flop et tout. La vue ma mère. Eh, le son de Dagoud, ça parlait de issus une meuf, on sait même pas c'est qui, ça pue sa grand-mère. Jersey, il clash Dagoud de fils de pute. T'as écouté les paroles, cousin? T'as pas le contexte. Dagoud, il clashait un mec, comment il s'appelle? Oui, ça Murda. Murda, ouais, cousin, inconnu au bataillon, j'ai jamais entendu ce blaze. C'est qui Murda? Par contre, on parle de la vibe, on parle du gosse dog, on peut le garder ou pas? Hein? Gosse dog, mais je crois qu'on va le virer du label, hein. Il commence à me péter. Mais la vie de ma mère, je vais aller en poursuite judiciaire, la vie de ma mère. Il va nous devoir son rax. Et il a fait un son, et un de ses scams, non, il est bon. Quel scam? Je t'explique, t'as vu son contrat? Bah après, il a pas pris le million. Hein. Ouais, mais il nous doit 400 encore. Et il les a pas fait, c'est-à-dire moi je vais aller en justice. La salope. Oui, bah, tu vas porter plainte. Bah, le baveux a fait ça bien, Maître Cohen. Bah c'est ça, hein. Bah, que tu veux que je fasse, je veux pas le shoot, ça va pas me rapporter d'argent. Mais Ok, et moi je veux qu'on parle chiffres là, je veux qu'on parle chiffres. Dès que t'es chaud, t'as fait ton dernier son, mm-hmm. On va parler chiffres, et t'inquiète pas, on va te mettre plus que bien. Allô. Ok, bah je vais pas vous mentir, la proposition elle m'intéresse. Après, Tu vas être riche, hein. T'as vu nos streams, non? T'as vu les 10 de diamants ouais, que ça fait? Ouais, mais c'est pas les mêmes, tu vois, c'est pas les mêmes sons, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'inquiète pas que tu vas arriver avec une vibe, tu vas les choquer. T'as vu ce que j'ai entre les dents? Tu vois ce que j'ai dans, dans les dents là? Tu l'auras aussi. Ok. Ouais. Bah écoute, de toute façon, moi je finis mon premier contrat. Et ton dernier son, garde, t'as vu ce que tu m'as dit là? Garde-le pour après ça. On va le faire, c'était clairement dans nos plans. Mais là, fin, dernier petit son, répète que, je sais pas. Après, Thaïs. T'as vu, nous, le son, c'est moi, je t'ai proposé de le faire. Tu l'as fait parce que j'ai chauffé Ava pour qu'elle clash. Tu ne sors pas avec nous, il y a des problèmes derrière aussi. Oh, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je t'ai dit que j'allais prendre les trois sons. Tu lui racontes, toi. Mais t'as vu, le clash, commence même pas à retourner ta veste. Le clash, il était officiellement avec nous. Thaïs, tout ce que tu risques avec ce bouffon, c'est juste que tu ne seras pas invité au Game Valorant. Sinon, il n'y a rien. La rue, on est Hal, on va te protéger comme jamais. Regarde, ton contrat de bloc, tout simplement. T'as vu, ton son ne sortira pas. Mais t'as pas droit, Bien sûr que si. On a tous les droits, quoi. Bien sûr que si. T'as vu, si je veux bloquer. Après, t'as vu, si t'as envie d'être de mauvaise foi comme contrat, ça, Reyes, alors que je suis juste en train de parler, tu vois. Reyes, pourquoi tu veux switch de label? Il s'est passé quoi, l'autre label? Non, mais en soi, s'il n'y a fait que discuter, non, mais parce que t'as vu, il y avait qu'on dire. Moi, je t'avais parlé de faire ce son clash, il fait pas avec nous, mais moi je bloque les trucs, c'est logique. Ah, bah vas-y, c'est quoi, c'est CJ et Dagoud? Mais c'est logique. Oh non, le son clash envers Ava. Le son clash avec Ava, il sort le 10 avec le Sex Money Record. Et nous, tu clashes Dagoud, tu clashes lesbien, moi je pars en guerre. Non, c'est le deuxième. Il sort le combien? Le premier son, il est avec Boaz. Mais dans ce cas-là, il sort le combien? Il sort le 10. Mais il y a le temps de mourir là avant, mon frère. Bah oui, mais il y a trop de sons qui sortent là. J'ai pas pu prendre avant. Mais t'as vu, mais parce que t'es signé au mauvais label, nous on sort nos sons direct. Hein. Ah, d'accord. La vie de ma mère, j'appelle. Attends encore un peu, t'as vu. On attend le troisième son, on prend la date. Dès qu'elle a celle qui choisit la date. Dit, c'est trop long, fin cousin. D'histoire. Putain, t'en penses quoi, Guapo? Ouais, c'est trop long. Hein. Ma mère. Ah, écoute, vous me faites de la peine, je vous débloque avant une date. La date, elle a déjà été bouquée. Ouais, mais... Putain. Vini, il cherche des artistes, si tu veux. Sors un son avant. Tu peux faire un son avant le 10? Bah, j'ai plein de sons qui sont déjà prêts, en fait. Bah, voilà. Mais c'est des sons où je clash personne, tu vois. C'est des sons que j'ai l'habitude de faire. Bah, c'est parfait. Tu veux clasher Dagoud? Parce que c'est un fils de pute, d'intrusif, de merde, t'as vu. C'est un parasite.
Évidemment. Évidemment. Je me demande pourquoi. Moi aussi. Je me passerai de vos commentaires, s'il vous plaît. Ouais, t'as le droit de clasher Damon, hein. C'est un artiste musical, hein, je pense que c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Pour un clash musical, bien sûr. Écoute, ah, mais rien surtout, sur dans le contrat, nous, ce qu'on va t'offrir, écoute bien. $150,000 à la signature. Dagoon, à toi. Seulement à toi. Sur un plateau. Sur un plateau, nu. Attaché. J'en veux pas, j'en veux, je veux surtout pas. Surtout pas. Loin de moi, ça, je suis d'accord, mais à c'est moi, quoi, je... C'est quoi, là? Il dégoûte, maintenant? Oui, il est intrusif. C'est dire quoi, intrusif? Comment ça, intrusif? Ah, en mode parasite. Ça veut dire, oui, parasite, c'est un parasite. Mais là, ta maman, on valide maintenant, c'est bon. Vivant, vivez. Tu me racontes, toi, vas-y, va boire de l'alcool. Ta gueule, bébé. Bois tes flashs, là. Fais-en, je sais pas de quoi tu me parles. Vas-y, bref. Par contre, ça, c'est 100% artistique. Hein. Tu m'as mm-hmm. dit, là, tu sais chanter, tout ça, rapper, ça, c'est, on l'a vérifié, on a vu. Tu sais bien t'habiller, ça aussi, on l'a vu. Mais tu m'as dit, tu sais faire un autre truc, mais ça, on l'a pas vu. Ouais. Si, je l'ai fait au Red Room. On n'a pas vu. Donc, ouais, si on peut, faut... pour qu'avec on ait des expériences en moitié, ça veut dire que. Voilà, on juge si tout est bon. Et comme ça, en fonction du coup, on prépare. Et si justement, si c'est pas bon, on met directement mais un mec qui t'apprend. En fait, je vais pas vous mentir, hein, les gars. Je pense que j'aurais besoin de cours. Hein. Ah ouais, c'est ça. Guapo, tu me notes. Il y a une petite touche de timidité. Faudra qu'on supprime ça. Faudra qu'on travaille dessus. Mais on va faire toi une star, Thaïs. Bah écoutez, je prends votre proposition, voilà, je l'ai écoutée. Maintenant, je vais finir au moins mon premier contrat avec Zexmoney Records. Je vais discuter aussi avec eux et je prendrai ma décision dès que je peux. Dès que c'est terminé, je... Sinon, il y a un troisième label, il s'appelle What's Records. Tu m'as eu. Bien joué, je te dis. Oh là là, c'est ouais. Flop, ce label, c'est une dinguerie, sa grand-mère. Nous, t'as vu? Moi, t'as vu, je discute pas en public, moi, mais nous... Tous les artistes qui ont été signés là-bas, ils sont morts. T'as eu des gens pour commencer. Bah ouais, parce que c'est trop la street, notre label, là. T'as vu, tu signes... Ils sont nuls, ils meurent, en plus. T'as vu, tu signes, c'est street crédibilité, direct. Ok. Ah. Et à part la secrète, il a sorti un son cousin, il avait signé T5, la mère T5. Il était éteint, T5. Trop nul. Et t'as vu, dès qu'il donne la signature, comme par hasard, moi je tombe sur lui, je le braque. Il a la signature de Sony. C'était 15 000. Putain, non, éteint. Là, c'est quoi? Il y a un son? Il y a quelque chose? Tous mes artistes sont morts. T'as dit quoi? Il reste Dagoon. Ouais, il y a rien. La pépite du label, la pépite. Mais les gars, en fait, en vrai de vrai, Dagoon éteint 90% des rappeurs de Los Santos. Non. 90 de quoi? Mais les gars, par pitié. L'application musique. Il y a qui est plus chaud que lui, on va dire? Boas. Savage. Le dernier, là, et Diamond. Le Tiger, et là, Diamond. De tout à l'heure, non, le Tiger est le meilleur. Cousin, CG, il est plus fort. Déjà, regarde. Moyen d'être objectif, s'il vous plaît. Oui. La même, je sais pas c'est qui. Cooper Fidge, il est plus fort. Allez, nique ta grand-mère. J'arrête le débat, j'arrête le débat. T'as écouté son dernier son? Arrête le débat, il est sa mère. C'est lui qui l'a fait passer, là, non, il est incroyable. C'est quoi le dernier son? Ah, il est pas sur l'appli, je crois. Il est pas sur l'appli, c'est normal. T'as pas écouté? Là, il sera là demain matin. La même mère, le dernier son, il est bien. T'as pas écouté le dernier là, même un refrain il rentre dans la tête. Ensuite, c'est quoi ça, le G? Bon, le G, il graille. Bref. Vas-y, fais du démo. Mais la même mère, il le graille, mais écoute, Kenneth, il lui mange sa grand-mère. Ah, hein, oui, Kenneth, Sony, mon gars. Sony, libre à toi de comment dire. Il a aucun artiste, moi je suis parti dans la country, espèce de salope, moi. T'as vu, il y a Kenneth, écoute bien. Il y a que Suisse. Hein. Et en plus, c'est quoi, tu sais, Kenneth, il prend combien de pourcents? Ouais. Zéro. On la scam. Ouais. En fait, ton label, à part Savage, à part Savage, Savage et Dagoon, ça se tape. Hein. Ça se tape. Ah, ok. Oui, bon, non, mais là, le concert tout à l'heure, c'était une dinguerie quand il a mis son son. Les gars, vous croyez pas en mon gars Dagoon, c'est une dinguerie. Tu veux faire péter Watch Music, il te reste un seul truc à faire. Tu le sais. Non. Maintenant, tu veux faire le dormeur. Je suis producteur de musique, moi, je suis producteur. D'accord. Mais va te faire enculer, ton label. Mais vas-y. Même lui, il va flopper. Impossible. Ah là là. Impossible. Vas-y, je vais prendre Ava, je vais la faire te clash. Ou Thaïs, Mago. On va tiquer ta crédibilité. Tu peux m'envoyer qui tu veux. Moi, je suis producteur, les gars. Ça bouge pas. Je vais t'éteindre, Sony. Moi, j'ai qu'un seul artiste, Dagoon.
Et regardez bien, les gars. Vous verrez dans les mois et les semaines à venir, les gars. Restez branchés. Juste restez branchés. Ah ouais, c'est... Wesh. Sony, ouais, une très, très grosse stratégie marketing. T'as vraiment confiance en lui, hein. C'est vraiment ton poulain. Hein. Bon, non. Bon. Le prochain son, il va t'éteindre, il rentre en clash avec toi. Toi. D'accord, vas-y, il n'y a pas de problème. T'as vu, il va arrêter sa carrière carrément. Attends, je le ramène, toi. T'as vu, quand il écrira ses textes lui-même, qu'il fera ses top lines lui-même, on en reparlera. Ses textes lui-même, D'accord. Viens à l'étage, là, il y a une meuf, elle t'éteint, elle a dit tu pues ta mère. T'es où? Allô, t'es où? Bref, du coup, les gars. Attends, monte en haut. On en reparlera. Pourquoi tu me tiens la main? Frappe-la. Ça va, Vin? Je passe une bonne soirée. Oui, Dagon, il arrive. Soudé. Okay. Ouais. Il faut quoi pour que tu te mettes dans une cabine? Combien il faut? Peur, putain. Mais t'essayes, je ne suis pas alors, peur, je ne sais pas. T'essayes, Dagon. Pépite de What's Record. Elle, t'as vu, elle. Elle vient de dire que tu putes ta grand-mère en musique et qu'elle t'éteint. Thaïs, sympa. Ma mère, elle est très stressée. Thaïs. Oui, Thaïs, frère. Vas-y, arrête de mentir. La vie de ma mère, mon son, il nique toute ta discographie. Il pue sa grand-mère. Il pue sa grand-mère. La discographie de pute. Comment il pue sa grand-mère? Mais comment tu parles d'un cyborg. Vas-y, la vie de ma mère, mon son, tu streames de bâtard. Il pue sa mère. T'es parti en dépression puisque t'as fait 200 ventes. Qu'est-ce que tu me racontes? Parle de mon artiste, toi. On l'explique pas. La vie de ma mère. Vas-y, mais ça, c'est un boycott. Moi, je fais plus de ventes normalement, mais c'est un boycott, c'est tout, frère. Je te jure, le son, okay. Écoute bien. Je fais les ventes que tu mérites. J'ai jamais fini le son. La vie de ma mère. Ma mère, pareil. Je le jure, sur Dieu. J'ai jamais fini. La vie de ma mère, j'arrive pas à le finir. Le son est qualité. T'as vu, pour le niveau actuel des sons dans l'application musique, le son est très très bon. Je suis le Drake de Los Santos. Attends, je vais réécouter carrément. Tu vas pas finir. Mais j'ai jamais fait d'agonie, flingue le son. Prochain son, tu me l'éteins, elle. Elle a pas de buzz, mon frère. Crépé, commence à la moitié. Fini ton clash avec l'autre pute de Queen et viens m'appeler. Je l'ai fini, mon clash, ça y est. Je l'ai éteint. Elle va arrêter sa carrière. Mais éteint de quoi, frérot? Elle jouait dans la chanson. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est très très bien, c'est un style musical. C'est un style musical qui donne la barre. Oui, voilà. Il y a que des chiens qui aboient qui écoutent ces sons. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça y est. Elle faisait trop mix. Je veux stream encore son. D'ailleurs, elle a pas fait de vente. Elle a pas dépassé des 100. Arrête. Après, c'est vrai que celui-là, il est catastrophique. Mais vas-y, tranquille. Ah là là, bref. Puis, donne assez fort, moi, je donne assez fort, frère. Achetez-nous, les gars. Pitié. Non. Allez, c'est fini les ventes. Bon, c'est fini. Ouais, bref, Dagon. T'as vu, on a rien à prouver, nous et notre label. T'as vu. Tu es une putain de pépite. Merci, mon frère. Tu es sur la bonne ascension. Et là, ici, là, il y en a, à part Salva, vas-y, Salva, très très bon. Salva, très bon. À part Salva, il n'y a personne qui t'éteint ici. Qui peut? Mais qui peut? Qui? Ça, c'est mon nouveau habitant. Eh, les gars. Eh, ouais. Bien ou quoi? Allô? Ouais, il a léché une vite tout à l'heure. Viens. Qui a léché une vite? Moi, jamais léché une vite. Écoute le son Dagoon et dis-moi ton avis. Va sur l'appli de musique, écris Dagoon. Et donne-moi ton avis. Vous tous écoutez les gars. Donnez-moi votre avis. On te donne un peu de stream tellement tu fais pitié. Avec ma mère. Vas-y, je veux pas de votre charité, moi. Je veux pas ta charité, moi. Vas-y, fais écouter le son. Vas-y, écoute, va sur l'appli de la musique, ton téléphone. La musique. Écris Dagoon. Comme 65 personnes qui ont écouté ça. Les gars, je vais pas vous dire d'être objectif. Je vais pas vous dire d'être objectif, hein. On soigne plus sa mère, hein. Mais quelle menteuse pute. Et moi je trouve ça tellement. Mais c'est comment? Non. Vini, hein. Gangshit ou Color of Gangshit. Colonel réel, hein. T'as compris le délire, j'aime bien, frère, j'aime bien, t'as compris le délire. Ah ouais. Vini. On cherche à toucher un autre public, t'as vu? Que ouais, c'est pas fond de... Mais c'est un flop. T'as compris? Non, même pas. On te voit avec... Toutes les meufs, elles ont kiffé, frère. Moi, je m'en bats les couilles de vous, je vous baisse, frère. C'est ça, t'as vu la vraie communauté des habitants. Le son, il tourne. C'est ça, il tourne de partout. Je l'entends dans des Fiat 500, je l'entends dans des Mini Cooper. Je cherche pas à l'entendre dans des exemplaires, des révolteurs. Je m'en bats les couilles de vous, moi, les gars. Ça doit être ça. Okay. Mais du coup, ça doit être ça.
Regardez, là, je regarde les plus écoutés. Il est sur la pile, là. Studio, tu devais te lécher les lèvres derrière le micro. Si. Je te mens pas, j'avais la barre à ce moment-là. Vous en pensez quoi, les gars? Soucheux. Vous en pensez quoi? Il y a un niveau ou ça pue sa grand-mère? Il y a un délire ou pas, les gars? C'est l'objectif, il y a un délire ou pas, les gars? Moi, c'est clairement pas mon délire, je te mens pas. Ah, normal, toi, ouais, ça se voit, c'est drill, toi. Ça se voit, c'est drill, pampan, toi, ça se voit. Et toi, le petit, c'est quoi? Le petit. Ah, le petit, là, qui fait quoi? Il est bouche bée, oh, là, là. Qui ah, l'eau, ouais, ouais. Non, ouais. même pas, mon gars, c'est pas trop mon délire, hein, je te mens pas. Mais allez, tranquille, continue, force à toi. Merci, les gars, merci, les gars, merci, les gars, merci, les gars, du soutien. Cœur sur vous, Dagoun, moi, c'est mon délire. Merci, mon ami d'enfance, Vini, merci. Hey Diana, excuse-moi, je peux te parler 30 secondes? Ouais. Ouais, viens, viens. Dehors, arrête-toi carrément, putain. Et froid? Je voulais te proposer un petit tour en voiture, ça te dérange pas? Pour faire quoi? Dormir. Vas-y, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Je sais pas, comme ça, non? Faire un petit tour, c'est un gros moteur. Ouais, bah après les voitures, je m'en fous un peu, mais Je sais pas, moi, des petits tours pour faire connaissance, tu vois ce que je veux dire? T'es ma voisine quand même. Ouais, bah après, je sais pas, hein, tout à l'heure, t'avais l'air un peu répugné à l'idée de me voir, donc C'est parce que en fait, j'explique. C'est qu'en gros, en fait, mais vas-y, tu vas me prendre pour un mec bizarre si je t'explique. Vas-y, dis-moi. Je dis quoi, les gars? C'est trop long, faut qu'on... Bah viens, on monte, fais un tour, je t'explique si tu veux, mais vas-y, tu vas me juger, vas-y. Je te mens pas, tu vas me juger, hein. Non, mais je suis pas du genre à juger les gens, quand même. Parce que c'est vrai que j'ai craché et tout, ouais, j'ai eu un peu... Mais en fait, Quoi? Non, mais j'ai craché par terre, en gros, quand je t'ai fait le... Ouais. Ouais, bah ouais, c'est pour ça, c'est pas très amical, quoi. Ouais, mais en fait, je t'explique, c'est qu'en gros... Et t'es sûr que tu me juges pas, hein? Non, je te juge pas, t'inquiète. En fait, t'as vu. En gros, t'as vu. Je t'ai vu là. On s'est vu une fois, non? Une fois ou deux. Ouais, on s'est croisé quelques fois. Au label, le toit, là. Ouais, c'est ça. Et, en gros. T'as vu, j'ai flashé sur toi. Hein, ça veut dire que. Enfin, comment t'expliquer ça? En fait, j'ai une maladie. Les gars, je sais pas. Les gars, j'improvise. Je parle sans. C'est quoi comme maladie? Bah en gros c'est simple. En fait déjà c'est une maladie, elle est pas héréditaire, tu vois, en fait ça dépend de ce que t'as vécu dans la vie. Tu l'as en fonction de ce que t'as vécu, tu vois ce que je veux dire? Non pas trop, vas-y, tu t'expliques un peu mieux là. Hein. Attends merde. En fait comment t'expliquer ça? Tu vois c'est une maladie, elle est rare un peu, hein. Après elle arrive sur certaines personnes, mais en fait c'est quoi? C'est que si... en fait, quand tu flashes sur quelqu'un... J'explique la maladie, là. Hein. Si tu flashes sur quelqu'un... Ouais, j'écoute. Et si tu la touches physiquement, que ce soit serrer la main ou n'importe quoi, du moment que tu la touches, tu vois, bah, tu tombes amoureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, je me suis rappelé que c'était toi. J'ai dit, oh, la dinguerie. Et du coup, bah, là, la maladie, elle est lancée. C'est-à-dire, c'est la merde, là. C'est un peu particulier comme maladie, quand même. J'en avais jamais entendu parler. En fait, c'est... Moi, j'en ai même d'autres, hein. Je te mens pas. J'ai plusieurs maladies. Mais vas-y, celle-là, c'est celle qui me nique un peu le plus, tu vois. Et ça a un nom, ça, comme maladie? En fait, c'est... Parce qu'il faudrait peut-être aller, je sais pas, à l'hôpital, si c'est un truc qui a plus jamais été décelé ou quoi. Non, mais je suis un traitement, tout ça, mais... Vas-y, il est pas efficace, hein, je te mens pas. Les gars, donnez-moi un nom. C'est l'amorophobie. Je dirais un truc Sony. L'amorophobie, ouais, c'est ça. L'amorophobie, en gros, c'est ça. C'est, je vois pas, c'est difficile, hein, à vivre avec, mais bon. Enfin, en fait, c'est pour ça que j'ai la haine de te l'avoir dit, c'est parce qu'en fait là, tu peux en jouer, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, bah non. Après, je suis pas quelqu'un de bizarre. Parce qu'en fait, c'est une dinguerie. C'est que moi, je suis conscient que j'ai cette maladie, mais je peux rien y faire. Tu vois ce que tu vois? C'est vraiment... Je peux rien y faire. Ouais, non, mais après, je comprends, mais je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Tu vois, même aux infos ou quoi, tu sais, des fois, des maladies rares, t'en entends quand même parler, quoi. Bah, vu que c'est rare, non.
T'es bête ou quoi? Bah non, mais t'en entends quand même parler, je veux dire, même si c'est très peu de cas, etc. Il y a des dérivés, il y a la sentimophobie, il y a le boroïd. Tu vois, il y a plein de... Et toi, c'est quoi, le coup de foudrophobie, c'est ça? Ouais, allô. Allô. Ouais. T'es avec Diana? Ouais. Eh, fais-lui un boulot, sa grand-mère. Hein. Dis pas ce que je te dis. Hein. Depuis tout à l'heure, elle me dit, je vais creepy, sauve-moi, sauve-moi. Allô, allô. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ouais, répète, répète. Fais-lui un boulot, sa grand-mère, s'il te plaît. Mais comment ça? En quoi? Depuis tout à l'heure, elle me dit, répète après moi. Depuis tout à l'heure, elle me dit, oui. Viens me sauver, dis que tu t'es fait péter, s'il te plaît, chez creepy, s'il te plaît, au secours. Mais en mode, dans quel sens? Tu veux que je fasse ça? Mais en mode abus, j'en sais rien, bah les couilles. Ah, mais là, je sais pas. Okay. Lâche-la pas. Ouais. Ah, vas-y. T'as dit quoi? Je ne sais plus ce que je disais. T'as dit le coudrophobie. Mais toi, t'as la putrophobie, toi. Hein. Comment ça, j'ai la putrophobie? Explique-toi. Bah, l'hypocrisophobie aussi. Je vais la débiter, les gars. Je vais faire. Regarde, je vais que de bombarder. Tu me trouves hypocrite? Je trouve que je suis quand même plutôt. Mais je sais pas, t'en penses quoi là? Je suis plutôt clair dans ce que je dis, tu vois. Bah, j'en pense que c'est du gros foutage de gueule, tu vois, déjà. Ah ouais? Ouais. Ah non, c'est pas bien en fait de dire ça. Ah, parce que là, du coup, tu vas penser que je te juge et tout ça. Genre, je suis quelqu'un de pas bien. Je fais exprès de quoi? C'est ma maladie, je peux rien y faire. Les gars, je lui fais une dinguerie, qu'est-ce que je lui fais? Ouais, non, mais après, je pense juste que tu te trouves des excuses et que t'essaies de te trouver une excuse pour. Pourquoi? Pour expliquer ton geste de tout à l'heure, quoi, c'est tout, tu vois. En fait, il y a un autre truc aussi. J'ai la mélophobie aussi. Décidément. J'ai la mélophobie. La mélophobie. En fait, tout ce qui a été en contact avec Mélo, surtout un contact sexuel, tu vois, ça me dégoûte. Ça se voit, toi? Ah ouais. Je sais ce que. Ah non! Et puis en plus, Mélo. Oui, dis-moi. Mélo quoi? Non, bah Mélo, il en a géré des meufs dans cette ville, tu vois. Donc, c'est-à-dire que Mélo... tu dois pas pouvoir parler à beaucoup de meufs, quoi. Mélo, il m'a dit que c'était un gros baiser, quoi. Enfin, c'est un gros baiser, mais pas un gros baiser avec plusieurs meufs. Hein. Il a sa meuf, lui. Ah non, il m'a dit que c'était relation libre, que du coup, tous les soirs, il allait voir des putes, des meufs différentes et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en vrai. J'aime bien ta façon de penser. Mais qui dit n'importe quoi. Rien à voir. Bah après, moi, c'est juste ce qu'il m'a dit, tu vois. Moi, je vais la mettre mal à l'aise, de fils de pute, elle va souffrir. Du coup, tu vas pas pouvoir toucher beaucoup de meufs, quoi. C'est un peu chiant. Mais regarde, je connais là les meufs que j'ai dans en tête, il les a jamais touchées, Mélo. Vas-y, donne des noms, moi j'ai des noms. Hein. Bah Luna, Evie... Emily, ouais. Y a qui d'autre? Thaïs, je sais pas. Après, ok, bah moi de ce que j'ai entendu déjà Luna, bon voilà. Mais t'es malade ou quoi? Ouais, si la meuf enceinte là, on est d'accord. Oui. Bah elle a quoi? Bah c'est pas parce que t'es enceinte que tu peux plus coucher avec tes mecs et tu peux plus tromper des mecs hein. Mais toi t'es conne toi, c'est-à-dire moi je te dis j'ai baisé un tel, tu me crois? Mais qui t'a dit Mais Mélo, il me l'a dit lui-même. Il est malade ou quoi? Mais t'as menti, hein? Sérieux? Luna, il m'a dit une Selena aussi, une Alice, il m'a balancé plein de places, hein? Bon, attends, je l'appelle. Oh le fou! En gros, il lance des réputes sur des meufs, c'est ça? T'es en train de me dire? Bah après, non, parce que moi je m'en fous, je dis rien, tu vois. Allo, ouais. Et pourquoi tu dis que t'as baisé Selena, Luna, Alice? Et moi, tu la crois, connard, moi? Et moi? Tu la crois? Mais la attends, meuf, elle au parleur, elle t'entend. Tu dis quoi? Oui, elle ment, va te faire enculer. Oui, elle ment, ok. Va te faire enculer Diana. Dis-lui être suce, vas-y. Ah, j'ai enlevé l'eau par là. Peut-être que, je sais pas, il veut peut-être garder. Mais il veut peut-être garder ça privé, mais moi il me l'a dit, je veux dire, j'en sais rien, tu vois. Bon, toi, je vais te niquer ta mère, toi. Allez hop, tu m'as saoulé. J'ai te dragué, mon frère, je fais des efforts. Tu casses les couilles, toi. Je vais dessus d'une colline, je vais te mettre un one tap. Toi, tu vas voir, c'est réglé. Mais tu me dis que t'as l'amourophobie, je sais pas, on discute, ah bah y'a rien de... C'est faux. Ah bah voilà. Là, tu vois, j'en étais sûr. Allez, hop. Coupez les cheveux. Attends, dis-moi que j'ai des ciseaux. Attends. Non, par pitié, me coupe pas les cheveux. C'est relou, les cheveux. Non, toi, je vais te faire un film, toi. Ma mère, j'essaie d'être original, de faire un petit truc bien romantique. Ouais, mais romantique. T'es un peu trop original. Tu me craches dessus, limite, tout à l'heure, quand tu me vois, et là, tu me balances des mythos à la mort. J'ai craché par terre, en gros, parce que, vas-y. Mais je sais pas, j'étais bourré. Bah, et là, d'un coup, t'es plus bourré.
Après, je pense qu'on peut repartir sur de bonnes bases, tu vois. Il n'y a pas de galère. Hein. J'essaie. En fait, j'explique. Depuis le début, je voulais. T'as vu, rentrer accompagné, me mettre bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Bah ouais, mais c'est pas en inventant des mythos que tu vas réussir. T'as dit quoi? Ça va, Fibi? Ça va, et toi? Tranquille, tu prends des nouvelles, ça va? Ça se passe. Et tu sais que Melotti, il dit quoi aux gens? Il dit qu'il a baisé Luna et Selena. Ah ouais. Mais pourquoi il fait ça? Ah, vas-y, si, aime-moi, hein, dans tous les cas. Il faut qu'il prouve. Vas-y, vas-y, ta mère. Bref. Non, mais de toute façon, je suis pas ton style, c'est sûr. Sur 10, tu me mets combien? Mens pas. Tu me mets combien sur 10? Je sais pas, je t'ai pas trop observé, on va dire. Regarde, ouais, je te mets genre 6,5-7, tu vois. 6,5-7, hein. Bouge pas, hein. Y a mon arme, hein. Tu descends, je t'allume. Hein. Allô? Ouais, non, je bouge pas. T'es avec toi au repos? Non, moi je suis accompagné, je te mens pas, ça se passe bien en plus là. Mais super. Putain, je t'appelle, il répond pas, frère. Putain, je l'appelle, il veut pas répondre, je sais pas. Appelle-le pour voir. T'as dit quoi? Putain, j'appelle Guepo, il répond pas. En fait, il avait ça parce qu'il a tiré sur sa meuf, il est fou, sa grand-mère. Oh, loin. Il a raison, c'est comme ça, c'est Watts, on est sans. Comment on dit? What? Comment on dit quand sans cœur, pas de pitié. Quand tes sentiments, ils prennent le dessus. Voilà, oh, la meuf là, vas-y, elle a pas fait du tout. Il est sanguin un peu. Elle me dit sanguin, qu'est-ce qu'elle raconte, mon frère? Bah, c'est un peu ça, t'es un peu ça. Mais non, j'ai ri quand t'es. Impulsif. Je sais pas. Aïe, aïe. Ouais, bref. Tu mets 6 sur 10. Mais en fait, je dois faire quoi pour avoir 10? Je suis mignon. Je t'ai dit 6,5-7. J'ai du pouvoir. Ouais, mais l'argent. Je sens bon ou pas? C'est quoi ton parfum? En vrai, ça va, hein, mais. Là, t'as couru beaucoup ce soir, non? En fait, j'explique. J'ai aussi la. Enfin, bon, là, c'est vraiment vrai. T'as vu, commence pas. Je transpire de fou, en gros. J'ai une maladie, je transpire la mort. Pour rien. Ouais, ça, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, c'est. Mais après, vas-y. Pas... Alors, tu peux, je sais pas, prendre plusieurs douches par jour. Dès que tu fais un effort physique, je sais pas. Je vais faire une douche, t'as raison. Quoi, tu veux te doucher? J'ai pas compris. Non, moi non, c'est pour toi, je sais pas. Non, mais. Ouais. Quelle triste vie. Hein. Regarde, à cause d'horreur, je fais quoi? Merde. Ouais, grave. Mais toi, tu t'appelles comment, toi? Diana. M'en fous. Je vais elle va se dire ce qui se met. C'est comment je t'ai piqué dans ton ego pour lâcher de m'en fous? T'as dit quoi? J'ai touché ton ego, je sais pas, je t'ai piqué dans ton ego pour que tu dises des m'en fous. Et on a plus de 12 ans, quand même. T'as quel âge, Creepy? J'en ai 21, je suis jeune. Hein. Ouais, moi aussi. Comment les gars, ils caillent, tu pètes un câble. Toi, t'as 21, toi? Ouais. Dans ta carte? Ouais. Vas-y, attends. Descends. Tiens. Attends. Mais t'as pas 21 ans, toi, t'es bête? Non, je m'enlève un an parce que ça passe mieux en soirée. T'as 22, c'est ça? Oui, mais ça passe mieux en soirée, 21, ça passe mieux. La meuf, alors que t'es moche, je comprends pas. Moi, je suis une meuf, je suis moche. Mais j'ai jamais cherché à faire la meuf, je suis honnête avec les gens. Je te paye, vas-y, j'ai 2000$, tiens, je te paye. Mais comment ça, tu me payes? Tu veux pas être ma baby mama? Je suis pas une pute. Mais c'est pas pareil, mais t'es pas une pute, mais non, c'est pas pareil. C'est juste, en gros, en fait, c'est du rôle, en fait, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Tiens, garde ton argent, t'es ouf, quoi. Ah, tu veux le double? T'as besoin d'argent, moi. Non, je veux rien du tout. Tu veux quoi? Tu veux... Je sais pas, tu veux... Qu'est-ce que tu veux? En fait, je sais... Tu veux un badge pour faire nord-sud sans rien, à la frontière? Bah, non, ça va. Allô? Mais j'ai besoin de rien, hein. Allô? Allô? Ouais? Ouais, tu veux quoi? Je suis... là, je... Rien. Rien? Je parle business, là, je suis en rendez-vous. Pourquoi? Ouais, comme ça. Ah, vas-y. C'était pas petit, me regarde mon stream.
Mais Hey, regarde Diana, moi, ce que je te propose. Dis-moi. Regarde. En fait, tu m'as trahi ce soir, en fait. Comment ça, je t'ai trahi? Tu sais, tu me dis, je me rattrape. Je deviens sérieux. Tu me dis pas, je vais tout baiser, je vais te niquer ta vie ce soir. Mais te dire quoi? T'as fait quoi ce soir? J'ai fait quoi ce soir? J'étais au Bahamas, j'ai été me m'acheter des vêtements et j'étais au Bahamas. Allez, vas-y, monte. Ben, depuis que t'es avec moi, pas ce soir en général, depuis que t'es avec moi. Ah, depuis que je suis avec toi, bah, on a discuté, je sais pas, j'ai parlé à des gens, par message, voilà. C'est tout, hein. Ouais. Merci. Tu veux que j'ai fait quoi d'autre depuis que je suis avec toi? On n'a pas... T'as gagné la totale, hein. Bravo. GG, hein, comme on dit. Hein. Mais comment ça? Je vais voir. Ça a l'air quand même un peu compliqué à comprendre, Creepy, hein. Je suis fou sa grand-mère, je suis un niqué. Ouais bah j'ai l'impression ouais. Et je me fais auto-peur. C'est pas, un coup tu me dis que tu veux te rattraper, un coup tu me pointes avec une arme, je... Ouais, ouais, je suis baisé du crâne, hein. Je suis baisé sa grand-mère. Ouais. Niquer ta vie, moi, tu vas voir. Mais comment ça tu vas me niquer ma vie? Vraiment t'es lunatique comme personne. Vas-y, descends, ta gueule. Ouais, descends. Vas-y, monte en haut là, monte sur l'échelle. Je comprends vraiment pas là. Hein. Oui, moi aussi je comprends pas. Je monte en premier. Attends. Vas-y, monte derrière là. Vas-y, monte là. Oui, je monte. Vas-y, monte encore ici. Ouais, mais c'est haut. Allez, ça te fait du sport un peu là. Ça va, je suis assez sportive. Hein. Okay, je vais l'acheter d'en haut, sa grand-mère. Fais attention, vas-y avance. Oui. Mets-toi sur non, le non, bord, mais là. tu vas pas me faire mets-toi sur le bord, mets-toi sur le bord. Oui, je me mets sur le bord là. Mets-toi sur le bord. Oui, c'est bon, là je suis sur le bord, je vais pas avancer plus, t'as vu, j'ai peur. Avance encore un peu là. Non, mais je peux pas, je vais tomber. Non, je vais tomber. Eh bon, mets-le, mon frérot. Attends, je vois pas. Mais non, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux là, faire tu là ouais. Bon, tu m'as dit, j'étais avec elle, t'as envoyé un message, elle dit sauve-moi, je suis avec Creepy, hein. Non, c'est pas ça, c'est que t'as dit que tu voulais me tuer. Ah, t'as dit ça, Mélo, c'est ça que tu m'as dit. T'as dit que tu voulais me tuer, putain. Fume là-bas. T'inquiète pas, frérot, je vais l'acheter, t'inquiète. Non. Pourquoi t'as fait ça, Diana? Mais parce que t'as dit que tu voulais me tuer. Mais quand j'ai dit ça? Reste filmé. Mais quand t'as dit que t'allais me couper les cheveux, après tu me pointais avec une arme, bien sûr que je lui dis sauve-moi. Bon, Mélo, tu sais, elle me dit quoi? Elle m'a dit c'est parce que je l'ai menacé, je sais pas quoi. Mais elle comprend pas que tu m'as appelé dès le début, quand je faisais le bon canard, sa grand-mère. T'as vu le premier appel que j'ai eu, je parlais, là, Diana. Ouais, Diana. Oui. L'appel que j'ai eu au tout début, quand je te... Hein, mm-hmm. Bah c'était ça qu'il me disait. Je le savais bien dès le début. Donc tu mens. Avance encore un peu là, avance. Non, je peux pas avancer plus, je te promets, je vais tomber. Encore, il y a... Je peux pas avancer plus. C'est chaud, t'es où? Montre Mélo, t'es autour, y'a quoi? Au Bahamas, y'a personne, y'a que moi et Rondo. Ah ouais. Bon bah Mélo, je finis le boulot, merci mon frère de m'avoir prévenu, hein. J'étais aveuglé par l'amour. Ouais, baiser bien, frérot. Mais par contre, tu m'as dit que tu mentais, Creepy, un peu. Hein? T'as dit quoi? Ouais, baiser bien, y'a moyen de la libérer ou quoi? Vas-y Mélo. Ma bite, tu l'as frérot, je m'en fous. Bah ouais. Ah non, c'est un chien, hein. Tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il y a moyen de la libérer, tu l'as pas, s'il te plaît. Après, je lui dis, ah ouais? Il m'a dit, non, ma bitch, je rigole, tu l'as. Oui, mais c'est pas vrai, tu sembles les couilles. Enfin, là, tu vas pas mourir, hein, tu vas tomber dans l'eau, je sais pas ce qui va t'arriver. Ouais, mais il y a pas trop d'eau en dessous, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, ça. C'est toi, t'as fait la maligne. Oh. Moi, je suis là. Pourquoi t'as dit sauve-moi? Je suis avec Creepy, pourquoi t'as dit ça? Est-ce que tu... Je sais pas, t'es bizarre, Creepy. Non. Mais bizarre de quoi? Bizarre non. De quoi? Je vais te pousser, là. Mais je sais pas, la seule fois que je t'ai vu, tu lui as demandé de danser sur des meufs. Bon, après, j'ai appris que j'étais bizarre aussi, un peu, mais je sais pas. Genre, J'ai fait quoi, t'as dit? Dis, la seule fois que je t'ai vu, tu m'as demandé de danser avec une meuf, nan, tout ça, je sais pas. Genre, c'est un truc bizarre à demander à des inconnus. Mais attends, mais
mais t'as baisé devant mes yeux avec Guapo devant moi. Oui, oui, bah j'ai pas dit que j'étais pas bizarre moi non plus. Et moi je t'ai juste dit danse avec une autre meuf pour un mec qui paye. Ouais, mais je sais pas, je les connais pas les meufs. Tu sais que là il reste rien. Oh la dinguerie. Tu sais que là même tu recules, je pense que tu tombes. Hein. Vraiment. Hein. S'il te plaît, arrête. Mais c'est mort. En fait, on m'a trop. En fait, maintenant, moi avec les meufs, je rigole plus. Dès qu'elles me trahissent, tout ça, j'y direct. Hein. C'est mais frère, de époque radicale. Hein. Direct. Hein. Mais on se connaît même pas à trahir de quoi. Mais je t'ai dit, j'ai une maladie, je suis malade. Toi, t'as appelé Mélo. Tu lui as dit, ouais, je sais pas quoi. Sauve-moi, je suis avec Creepy. Mais sauve-moi mais de parce quoi que ta maladie, elle sent le mensonge à plein nez, s'il te plaît. Par bah, pitié, la grossophobie, c'est quoi ça? Je sais pas. T'as vu que je baisais avec Guépo, je sais pas, t'as voulu que je fasse la même chose avec toi, j'en sais rien. Bah oui, c'est exactement ça. Et j'ai raté ce soir. Fils de pute. Quoi? Arrêtez, wesh. Okay. Non, non. Mais qui a fait ça, ça parle. Dans le fond, je préfère mourir qu'être un pops. C'est des balances devant les cops. Faut que le mauvais côté droite. Zach est mort comme tous mes hops pour nous faire la guerre. Dis-moi y'a qui, aux hommes qu'on a roulé comme maquis. Mais moi, si on aime pour la 13, on te coupe la tête comme